Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Rolib, 30e épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver toujours dans un cadre aussi rayonnant au Japon. Il est midi en France, 19h ici. Pour des raisons pratiques, on s'est dit qu'on allait refaire euh, l'émission à l'horaire à laquelle on a fait Gomis. Et je vous vois dans le chat, vous êtes très nombreux, ça régale. Nous sommes bien évidemment live de l'autre bout du monde. On continue cet arc après Mitsugi qui habite depuis quelques années au Japon et qui a une histoire de fou. Après Buffetti Gomis à la très grande carrière et qui joue au Japon nous avons également quelqu'un aujourd'hui qui a une sensibilité vis-à-vis -vis de ce pays il est là en même temps que nous il a depuis quelques jours vous êtes très hypé je le suis aussi car ça va me permet également de reparler de MMA une pratique que j'aime beaucoup monsieur Baki Baki, comment tu Ça va super et toi Zach je suis ravi de te recevoir ah, franchement tout le plaisir est pour moi merci beaucoup Donc euh, franchement je déjà ça fait 2-3 jours que je suis au Japon là, je kiffe de ouf et en plus te voir tout ça fait plaisir. Ah tu Donc fais chaud au cœur toi <laughs> Franchement J'allais te poser la question justement parce que moi j'ai vécu ce que tu as vécu l'an dernier en arrivant justement au Japon en, enfin, en découvrant un peu le truc et tout et forcément euh, même si tu dois être peut-être encore un peu fatigué quoique tu es jeune donc du coup peut-être tu subis moins le truc ça donne quoi tes premiers jours au Japon qu'est-ce que t'en penses Bah déjà moi j'ai pas su subi trop le décalage horaire parce que je me couche un peu tard tu vois donc euh, j'ai pas subi de décalage horaire et tout je suis, je suis bien et surtout bah j'ai les, les points avantageux du coup du Japon Franchement, euh, incroyable. Juste l'air ici, il est différent. T'as l'impression d'être sur une nouvelle planète, tu vois. Et franchement, c'est un, un kiff total d'être ici. On s'est baladé un peu en plus ensemble à Shibuya. Ouais, de ouf, de ouf. Là, cet après-midi, on est allé faire les samouraïs. Ouais. <laughs> on a fait un, un genre d'attraction aussi. Tout à oui, oh, oui, oui, une... c'est vrai. On a fait un grand manège tout ouais. à l'heure. Et dites-vous que Baki a animé le fight Hugo versus Sias ça sort ce soir sur YouTube. Autant vous dire que ça va être euh, extrêmement sportif. Yas, que t'as rencontré d'ailleurs Ouais, Yas, je l'ai rencontré. Je l'avais jamais, j'avais jamais vu sa tête, tu vois. J'avais que vu euh, bah, sa tête qu'il a sur, sur sa PP Twitter. Thierry Henry Ouais, c'est ça. Mais du coup, je croyais que c'était lui carrément. Ah, comme beaucoup. Mm. Et est-ce que tu as vu les menaces et messages qu'il t'a proféré J'ai vu des vidéos. Et euh, franchement. Euh... Il a de la chance que son adversaire c'est Hugo quoi. <laughs> Ça fait plaisir de commencer euh, de cette manière. Voilà, tranquillement, je rappelle, c'est l'avant-dernière émission, déjà la troisième depuis que nous sommes au Japon. Euh, demain, nous quittons Tokyo pour revenir le 7 mai. Et on conclura le 8 mai avec Andy Ella. qui est une créatrice de contenu, qui fait plein de trucs très cool aussi. Donc on en parlera euh, ici. Et euh, déjà, je te remercie d'avoir accepté euh, de venir. Nous allons discuter. Parler de toi, de ta carrière, de tout ce que tu as fait. Euh, J'ai écouté plein de choses que tu as fait, des podcasts, des émissions. Donc j'en connais déjà beaucoup. J'ai pu préparer tout ça ce matin, en étant euh, gentiment au café, euh, très agréable, tranquillement. Donc on va commencer tranquillement par le classique. J'ai demandé de te présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît, Baki Alors je m'appelle Baisan Gourcham Soudinov, euh, alias Baki. Donc euh, je suis arrivé en France en 2005. Donc, c'est un peu là que tout a commencé. Je suis allé en cours comme tout le monde, primaire, collège. Euh, ensuite, au lycée, j'ai choisi une filière pro. Ouais. Donc, euh, dans le bâtiment. Et j'ai eu mon bac. Et euh, j'ai fait du judo aussi depuis tout petit, depuis que je suis arrivé en France, en fait. J'ai commencé par le judo. J'ai eu ma ceinture noire euh, à l'âge de 16 ans. Donc, euh, par après, après avoir eu ma ceinture noire, j'ai commencé le MMA. C'est fort. Ouais. Et du coup, euh, l'année où j'ai eu mon bac, j'ai fait mon premier combat pro dans la foulée. Euh, première victoire. Et après, on a enchaîné. Euh, Jusqu'à aujourd'hui. T'avais envie de continuer après le bac, toi Ou est-ce que t'aurais aimé pouvoir le faire Ou alors c'est un truc genre, vas-y, on a validé le bac, c'est cool. Tu vois bah, en vrai, euh, j'aurais pu continuer parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre, tu vois. Euh, genre, je kiffe ça. Mais euh, bon, je kiffe encore plus le MMA, tu vois. <laughs> c'est un choix entre deux choses que t'aimes. Exactement, exactement. Et à l'heure actuelle, si t'avais pu continuer post-bac, tu penses t'aurais aimé quoi Genre, euh, je sais pas, l'économie, les sciences, le droit, peut-être. Je pense peut-être ouais. les sciences. Je suis vraiment un fan de sciences. Euh, plus précisément d'astronomie. Ouais, ah, c'est vrai que euh... j'ai vu passer les trucs sur ça. Mais euh... après, je suis pas un excellent élève, tu vois. C'est ça la différence. C'est que je suis quelqu'un qui adore apprendre, mais j'ai du mal à... à faire le travail à la maison en fait. Ok. Donc à la maison, souvent, je, je passais plus de temps à, à me concentrer sur l'entraînement, etc. Donc peut-être sur de longues études, j'aurais eu du mal. Mais, euh... mais voilà, je continue encore d'étudier pas mal de sujets euh... de moi-même, tu vois. Mmh. Mais euh, voilà, aujourd'hui c'est le MMA mon... Ma profession. Alors, alors actuellement tu regardes quoi quand tu parles par exemple un peu de science Tu regardes des créateurs de contenu Tu vas lire des livres Tu vas lire des articles peut-être euh, Un peu de tout, un peu de tout, beaucoup de reportages aussi. Euh, et sinon, euh, tu sais, il y a for quelques youtubeurs que tu peux suivre. Euh... Suivre, ils font des, des, du contenu assez régulièrement. Ils parlent d'actualité sur l'astronomie, c'est vraiment le truc qui me passionne le plus. Et après, euh, un peu de vulgarisation scientifique, tu connais. Hein. Ah, <laughs> là, sur YouTube, on en trouve ouais. des belles. Sur YouTube, des on en trouve des belles. Alors, excuse-moi la prononciation, j'ai regardé un petit peu. Euh, tu es né en Russie, dans une ville qui s'appelle Oursmartan. Oursmartan Oursmartan, c'est en Tchétchénie, ouais. Parfait, Oursmartan. Avant de rejoindre justement Haguenau en France quand tu étais jeune. Mm. Est-ce que tu te rappelles de ton enfance en Russie ou pas du tout Alors je ne me rappelle pas de mon enfance là-bas parce que j'ai quitté euh, la Tchétchénie avant d'avoir euh, un an. Ouais. Euh, en route on s'est arrêté en Allemagne parce qu'on voulait d'abord habiter en Allemagne pendant trois ans. Il y a eu de pro des problèmes avec les papiers, etc. Du coup on a quitté l'Allemagne, on est arrivé en France. Euh, D'abord à Strasbourg pendant 3-4 mois, puis euh, à Guenau, et depuis j'ai pas quitté à Tu retournes en Tchétchénie de temps en temps C'est quoi ton rapport avec la région euh, J'y suis retourné deux fois depuis que je suis en France. Donc une fois en 2012 et une fois en 2020. Donc euh, la deuxième fois que je suis allé en 2020, c'était plus pour l'entraînement. D'accord. Et, euh, et en 2012, quand j'étais petit, c'était surtout pour, euh, pour revoir la famille et s'amuser. Ça t'a fait plaisir un peu Ouais, de ouf. Les deux voyages, ils m'ont fait trop plaisir. Et quand tu vas là-bas, par exemple, tu vas dans quelle ville Ça se passe comment C'est quoi la différence entre là-bas et la France, par exemple C'est un peu plus à l'ancienne là-bas, tu vois. C'est un peu plus à l'ancienne. Euh, même si ça se modernise, surtout la capitale, donc euh, Grozny. Tu sais, c'est pas très loin de hauss mmh. Et euh, sinon, il euh, n'y a pas vraiment énormément de différence. Tu sais, c'est un une région du, de la Russie qui est musulmane. Donc euh, la, la religion est différente. Euh, les traditions sont différentes. Mais sinon, au niveau de, de la vie, c'est quasiment pareil. Hein. Dans les contenus que tu as fait en fait et que j'ai regardé pour préparer cette émission, j'ai vu que tu parlais beaucoup de ton père. Mmh. Euh, C'est quelqu'un qui a vécu une période très difficile. On sait qu'il y a eu deux guerres en Tchétchénie très très dures. Mmh. Euh, pour rappel, Grosny la capitale, a été décrite à, à l'époque à, à un moment comme la ville la plus bombardée du monde. Ouais. Est-ce que ça a influencé ton arrivée ici euh, Alors moi, ça a influencé... Euh, bah, C'est un peu une des raisons aussi pour laquelle on est arrivé ici. Parce que... Euh, moi, mes deux grands frères, tu vois, ils, sont, ils ont 10 ans de plus que moi. Ils sont nés justement entre les deux guerres. Okay. Ou genre euh, à la fin de la première guerre. Du coup, ils ont eu une enfance euh, qui était dans la période de paix. Et moi, je suis né euh, pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, celle qui a été plus, la plus violente d'ailleurs. Et euh, du coup, il y avait des bombardements près de nos maisons, etc. Mon père, il, a, il avait carrément peur qu'en que grandissant, j'ai des traumatismes. Tu vois, oh. il disait, euh, le pauvre et tout. Et du coup, ils ont, pour l'avenir de leurs enfants, ils ont préféré quitter euh, la Tchétchénie. Euh, se diriger vers l'Europe et, euh, et voilà Je crois même que ton prénom il a un rapport avec ça Ouais mon, mon prénom c'est le, le prénom d'un guerrier tchétchène Notre plus grand euh, héros En fait tout simplement le, le, Pourquoi est-ce qu'il est connu exactement Parce que le prénom est très stylé hein. Ouais donc Baissangour euh, on l'appelait Baissangour Benoyovski Donc Baissangour de Benoy Parce qu'en fait c'est de là bas qu'il vient C'était un guerrier tchétchène qui, qui a fait énormément de, de batailles pendant la guerre du Caucase euh, il, a, il a combattu Les russes sur plein 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 de batailles différentes, sur toutes ces batailles, il a perdu déjà euh, un œil, un bras, une jambe. Et ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il s'attachait à son cheval à chaque fois et il retournait au combat. et combattait, combattait, combattait. Et c'est vraiment un héros chez nous parce qu'il y, y a énormément d'histoires sur lui. Et euh, c'est un peu notre, notre modèle, tu vois. Ouais, c'est un peu le modèle masculin chez les tchétchènes. Et, euh, et voilà. Oh, le, prénom, le, le prénom est vraiment fou. Moi, je, quand je l'ai eu la première fois et que j'ai vu derrière la référence un peu de pourquoi, ouais. j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Comment elle se passe, pour parler un peu de, de ta jeunesse, à l'école et en France Est-ce que tu arrives à t'intégrer Est-ce que c'était un peu difficile Il y avait un décalage ça, ça passé En vrai, je me suis intégré assez rapidement. Au début, c'était un petit peu compliqué parce que je parlais allemand, en fait, à l'époque. Parce que j'avais du coup vécu 3 ans en Allemagne, tu vois. Et euh, mes profs ils parlaient allemand en maternelle et tout. Donc euh, avec eux je discutais un petit peu, mais avec les autres élèves forcément c'était difficile. Mais euh, par après, du coup en apprenant le français, etc., je me suis très vite intégré. Et du toi, j'ai carrément oublié l'allemand du, du coup. Tu parles plus du tout du allemand. Peu, hein, je parle plus du tout allemand. Ouais. Tu sais que ça c'est le manque de pratique d'une langue. Ouais, de ouf. Quand j'étais gamin, moi j'ai vécu un an au Maroc. Mm. J'ai appris à lire l'arabe mm. et à parler aussi. Et... Mais c'est une folie de se dire qu'on parlait bien la langue en plus. C'est ça, ça qui est fou. Tu vois Je parlais bien allemand. Genre, je pouvais tenir une discussion et tout, et plus rien. Complètement parti. Tu avais des passions euh, quand tu étais jeune Peut-être un autre sport, euh, des dessins animés, euh, de, la, de la bouffe, la science, peu importe. On faisait des foot, dehors, tu vois, on jouait beaucoup au foot. Et, euh, et j'étais aussi un fan de, de sprint. Genre, en fait, on faisait des sprints. Le plus rapide, c'est qui qui gagne, etc. Ok. Mais sinon, euh, ma vraie passion principale depuis petit, c'est être le plus fort en bagarre. Euh, <laughs> J'ai commencé le judo et tout pour ces raisons. Donc, euh, vraiment, c'est ça mon truc. <laughs> vraiment, <c 'est> une... <laughs> être le plus fort en bagarre des gars. Gros, tu sais, quand je voyais un autre... un autre garçon dans ma classe, genre, je me disais pas, est-ce qu'il c'est à mon élève tout Je me disais, euh, est-ce que je le bats en bagarre Et c'était vraiment la question qui m'obsédait, tu vois. Et ce qui comptait pour moi, c'était pas d'être le premier de la classe, c'était d'être le plus fort de la classe. Et j'ai toujours eu ce truc, je sais pas, depuis tout petit. Je sais pas si c'est dû justement de là où je viens. Aussi, mes grands frères ils m'ont mis dans un petit matrixage aussi depuis que je suis petit. Ouais, ouais. Ils t'ont modelé un peu Ils m'ont modelé un peu et, et voilà, aujourd'hui on en est là quoi. Et ça t'a posé des soucis, je suppose, à l'école ou ça va voir, en réalité En vrai, ça va. Il y a des mecs, ils ont fait beaucoup pire. Mais euh, je me battais, on va, on va dire que je me battais beaucoup quoi. Comme, euh, comme un gars euh, normal en vrai. Comment il est venu justement cet attrait pour les sports de combat C'était une pratique déjà présente dans la famille C'était culturel C'était en bail chez les Tchétchènes, c'est quand même culturel le combat, la confrontation. Parce que du coup, on vient d'un pays en guerre. Et du coup, on a retranscrit ce truc de, de confrontation dans, dans quelque chose qui est bien, du coup, le sport. Et, euh, et voilà comment, comment on est rentré là-dedans. Les films de bagarre aussi, quand je regardais, que je regardais quand j'étais petit, ils m'ont vraiment donné envie. Tu regardais quoi Hombach, Jackie Chan, bah, des trucs comme ça back, euh, Une Disputed, je sais pas si t'as regardé Non, je connais de long. Ouais, bah, j'ai regardé Undisputed, j'ai regardé Blood and Bone, les films de Bruce Lee. Ouais. Beaucoup trop de classiques. Moi, Ong Bak, je pense que ça a matrixé beaucoup de monde. Ah, Bak. de ouf, de ouf. Le, surtout le 2. Le 2, il était incroyable. Vraiment, tout ce qui était euh, Ong Bak, et même les dessins animés qui allaient autour de ça, tu sais. Ouais. Genre moi, le dessin animé Jackie Chan, euh, perso... Euh... Avec les talismans et tout, là. Hein. Talismans, <laughs> je l'ai pas fini, tout ça. Ouais. <laughs> ouais, ça, c'était de la rêve. Hein. Ah, de ouf, de ouf. Bah, DBZ aussi. Ça nous a matrixé frère. Est-ce que t'as été de la génération qui regardait MCM à 17h30 pour les deux épisodes de DBZ bah, où on a trop d'années d'écart Non moi je regardais les premiers épisodes de DBZ que je regardais du coup c'était sur MCM Et moi je regardais parce que mes grands frères regardaient en fait Parce qu'eux ils rentraient du, du collège à l'époque ouais. Et ils mettaient vite DBZ et, et ben moi je regardais avec eux tu vois Ah là là Vegeta, magnifique T'as commencé justement les sports de combat par le judo, tu nous as dit t'as quel âge à ce moment là 6 ans c'est ça 6 ans ouais et ça se passe comment à 6 ans C'est quoi les différentes étapes Je suppose ceinture jaune, blanche, tout ça machin. Mm -hmm. Mais comment ça s'est passé pour arriver 10 ans plus tard à une ceinture noire Bah déjà, au judo, en tout cas en France, c'est comme ça. Je crois qu'au Japon, c'est différent. Mais en France, on a un système de couleurs. Euh, ceinture blanche, jaune, orange, etc. Et logiquement, tu es censé en gagner une par an. Donc euh, tu, tu gagnes une ceinture par an. Euh, tu fais des compétitions, etc. Et il y a juste une petite particularité, c'est pour la ceinture noire. T'as des points à marquer en compétition. D'accord. Donc tu dois marquer 100 points. Et tu dois aussi passer les kata Et les kata c'est un genre de truc de répétition. T'as vu ce qu'on a vu tout à l'heure chez les samouraïs là Oui, c'est-à-dire une sorte de chorégraphie de suite de mouvements très précis, techniques, c'est ça Ouais exactement. Bah du coup tu dois valider 100 points et valider les kata et du coup c'est comme ça que t'as ta ceinture noire, quoi et du coup euh, avec les années plus euh, les points les katas, j'ai eu ma ceinture noire pour enfin, ceux qui nous écoutent tout à l'heure on a fait une activité sur Airbnb avec un, un maître samouraï ouais de ouf où on est allé trancher euh, des trucs et tout c'était trop stylé vous verrez on l'a vlogué et en fait le maître samouraï quand on lui a dit que Baki c'était un combattant professionnel euh, et qui avait aussi sa ceinture noire en judo ils se sont identifiés ouais, les deux. De ça, ouf, ça vous a créé un lien. De ouf. Bah, en vrai, ça crée des liens le combat, je t'ai déjà dit. Et. Bah, T'as vu, il m'a mis au défi. Il m'a mis carrément. Il m'a donné un truc à couper plus gros que, que ce que vous avez coupé vous. Oui. Ouais. Et je peux même dire, j'ai demandé à couper la, la même taille que Baki. Il m'a dit non. <laughs> il m'a dit que j'étais le premier à l'avoir coupé, je crois. En plus. Oui, ouais. oui. C'est la première fois qu'il donnait à un client ouais. comme ouais. ça un truc de la taille de ce que lui-même faisait. Ouais. C'est une folie. Hein. C'était une folie, bordel. Ouais. T'as eu des facilités lors de tes premières années ou tu sortais pas forcément du lot euh, tu veux dire euh, au, au, en sport en combat ouais, sport Non, de combat. moi je sortais toujours du lot. D'accord. Toujours, je sortais du lot. Peu importe, à partir du moment où c'était du combat, je sortais toujours du lot. Euh, peut-être dans les toutes premières séances, je sortais pas du lot. Logique. Ouais. Cool. Logique, mais c'était peut-être pas dû au, au, au niveau que j'avais, mais c'était surtout dû à la mentalité. En fait, très vite, au bout de 5-6 séances, il y a un truc en moi qui est sorti de. Oublie pas que <laughs> c'est toi qui doit être le plus fort, tu vois. Mmh. Et c'est à ce moment-là que... que voilà quoi. Tu faisais des, déjà des tournois dans la région, tu t'en sortais, ça se passe comment exactement ouais. le judo moi, tu vois comme beaucoup j'ai fait euh, du football, tu vois les trucs à ça, mais j'ai jamais purement fait les sports de combat donc je connaissais pas exactement le système de qu'est-ce que comment ça se passe par exemple les compétitions les trucs à ça tu vois. Ouais, on avait des compétitions euh, au judo donc on avait un truc qui s'appelait les districts, c'était les avec toutes les villes aux alentours tu vois euh, toutes les petites villes autour d'Agueno et tout, on se réunissait dans, dans une salle donc soit dans leur ville soit à Aguenau directement et on faisait des compétitions entre nous. Et euh, en avais 4 par an. Et euh, celui qui avait le meilleur, euh, le, me le meilleur classement sur les 4 compétitions en, en moyenne, bah il avait une médaille bizarre ou je sais pas quoi. Après, il y avait des compétitions spéciales, genre euh, régionales, euh, tout ça. Et, euh, et ça, c'était une fois par an. Ouais. D'accord. T'avais remporté une, une comme oui, ça Oui, moi j'ai remporté toutes les, toutes les compétitions régionales. Et après, en grandissant, il y avait des compétitions nationales aussi. Que, que j'ai pas pu faire parce que, à un moment je m'étais blessé. Euh, C'était d'ailleurs la seule blessure que j'ai eu dans ma vie à la cheville. Okay. Et, euh, et par après, en, en remportant tous les points qu'il me fallait pour aller à une compétition nationale, mon club ils ont décidé de pas y aller parce que j'étais le seul du club qui, qui pouvait y aller. Et du coup, ils ont dit ouais, on y va pas. Oh les bâtards, vu que t'étais solo, ils se sont dit que ça valait oh, pas ouais, le coup. Ouais, ça valait pas le coup. Pas cool. <laughs> C'est pas cool. Tu l'avais <laughs> un peu ici ou pas Bah oui, je l'avais ici. C'est fou parce que sur le documentaire que la sueur, ils t'ont dédié, il y a une vidéo de toi tout petit en train de faire du judo. Ouais. Et, <laughs> et le gars, il vient te dire doucement parce que tu le balais <laughs> trop fort. Ouais. T'étais toujours à 100% Ouais, je me donnais toujours à fond. Ça, c'était justement avant ma blessure, tu vois. C'était vraiment euh, l'époque... Euh... Et d'ailleurs, mon père, il me suivait déjà à cette époque. Hein. C'était fou. Ça, il était quoi la porte de ton père concrètement de quoi Ça a été quoi exactement l'apport de ton père C'est-à-dire, des jeunes, ils te suivaient dans les sports de combat, ils t'encourageaient dedans, ouais. ils t'a poussé dedans, ils te conseillaient peut-être bah, Quand j'ai commencé le judo, euh, mon père, m'a forcément, il m'a aux entraînements parce que tu ne peux pas y aller tout seul, tu vois, es, un, es un enfant. Ouais. Et euh, depuis, il me suit en fait. Tu sais, les, les autres parents, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils euh, emmenaient leur enfant, ils partaient faire un truc, j'ai rentré chez eux et revenait revenaient le chercher. Moi, mon père, il restait à l'entraînement, il y avait une petite chaise là-bas, je m'en rappelle. Il était toujours assis là et il me regardait attentivement. Et d'ailleurs, ça te mettait une pression de ouf. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que, frère, à chaque fois, tu sais, à la fin, il y a des petits combats à faire. Et, gros, à la moindre erreur, euh, je voyais mon père et il me regardait bizarre, tu vois. <laughs> il faisait un débrief salé dans ah, la voiture. Franchement, le retour, il était salé parfois. Hein. <laughs> non, mais c'est bien, tu vois, l'implication parentale, un peu mmh. comme ça, tu vois. Ouais, de ouf. Moi, j'aime bien, moi. A, en parlant de ça, tu as par exemple, il y a un jour, j'avais Gomis mm -hmm. et il parlait aussi de l'implication de son papa dans sa carrière à une échelle je de Je pense que ça, ça, joue, ça joue énormément en vrai. Ouais. Je énormément. pense pas que c'est impératif, mais ça peut vraiment changer le, le cours de l'histoire d'un athlète. Tu vois. Il y a des gens dans le chat qui demandent si c'est en live et si c'est à Tokyo. La réponse est oui et oui tranquillement, ça fait plaisir, on, on est dans le cadre des Accords olive Japon, troisième émission, j'espère que vous passez un bon moment, on vous accompagne en plus en début d'après-midi, il euh, y en a vous a devez être en train de manger, il y en a vous a devez être en train de courir ou autre. C'est vrai que là-bas il est midi 30. Là. Et ouais, j'espère que vous passez un bon moment, ça régale, et je vois le chat, donc si à des moments vous avez des questions pertinentes, un petit truc, n'hésitez pas, je peux le remonter de manière extrêmement simple. Après ta ceinture noire, tu commences justement à fréquenter un club de boxe thaï, où des combats de MMA étaient organisés en fin de séance, pour avoir changé de sport est-ce que tu penses que tu avais fait le tour au judo euh, Alors moi vers 11-12 ans, quand je, bah, du coup j'avais toujours pas ma ceinture noire, il euh, y a eu un moment où, où, où je me suis dit, il faut que je fasse du MMA. Je connaissais, je regardais un peu l'UFC et tout, et la liberté que ça apportait, ça, ça me donnait trop envie, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est à ce moment-là que je me suis lancé. Je, je regardais énormément de vidéos, et même au judo, je commençais un peu à, à dérailler. Ça veut dire que les mecs, ils me voyaient, ils me disaient, mais pourquoi tu... Pourquoi tu fais ce genre de technique okay. Parce qu'en fait, moi, je pensais déjà à l'après. C'est-à-dire, certaines techniques qui marchent bien en judo, je les ai délaissées dans ma pratique de judo parce que je savais qu'en MMA, elles sont nulles. Et certaines techniques qui marchent pas spécialement bien en judo, tu les appliquais Je les appliquais. Alors que je suis toujours dans le judo, tu vois. Et du coup, au moment où j'ai eu ma ceinture noire, c'était le moment de faire la transition. Il n'y avait pas de club de MMA dans... près d'Agueno, donc j'allais dans un club de boxe D'accord. Et à la fin, euh, une fois que les sparrings étaient finis, je disais, ouais, qui veut faire du MMA contre moi et on se faisait des petits 1v1 comme ça quoi. Et c'est comme ça que tu t'es un peu aguerri au truc, que tu t'es dit que c'était vraiment un sport que t'aimais bien, ouais. peut-être parce qu'il est très complet. Ouais, de ouf. C'est à ce moment-là que j'ai capté aussi que j'arrivais bien à mélanger les sports. D'accord. Parce que j'avais le judo dans les pattes, qui a rien à voir avec la boxe taille du coup. J'apprenais quelques techniques en boxe thai, et j'arrivais encore à mettre du judo au moment où il fallait faire des petits sparring de MMA, c'est-à-dire je mélangeais bien le truc. Et aujourd'hui, une de mes qualités de combattant MMA, c'est que je mélange très bien... Euh... Toutes les disciplines que je connais. Il y a quoi comme technique de judo que tu t'appliques par exemple encore maintenant, tu vois euh, Une de mes spéciales, bah déjà les balayages. <laughs> je, crois, je crois que t'en as fait les frais, non <rire> <rire> ouais. On a fait un corps-à-corps corps minute 1 ouais. <laughs> Minute 1 j'ai pris un balayage Le fait qu'ils sortent ça en premier c'est pour... Euh, je le prends un peu personnellement. Ouais. Bah, les balayages déjà, j'ai une bonne notion du timing sur les balayages. Après il y a Ouchigari aussi, c'est une technique qui te fait tomber vers l'arrière. Très bien. Euh, et après certains mouvements de... vers l'avant où tu vas choper, euh, en MMA on appelle ça le body lock. Donc tu vas choper le corps, le tronc et tu vas pouvoir le jeter vers, euh, vers l'avant tu vois. Ok, ok vraiment intéressant, parce que je me posais la question, du coup, et ça c'est sans doute un peu logique, est-ce que devenir judoka professionnel, ça aurait été une option Ou pas du tout, tu n'y as jamais pensé En vrai, ça, ai, forcément j'y ai pensé parce que j'étais judoka, mais ça m'a jamais hypé de ouf. Ok. Ouais. Genre je, je me suis jamais vu euh, euh, en, en me disant, wa ouais, je vais être le meilleur judoka du monde, genre ça n'a jamais été un, un objectif. Ok. Et au final, quand tu arrives un petit peu euh, dans le MMA, qu'est-ce qui t'a donné envie, euh, envie, pardon, de t'investir concrètement dedans C'est comme tu disais, le côté complet du sport, euh, peut-être le fait que ce soit plus développé, euh, le club. C'est quoi ah, euh, Je dirais que c'est surtout euh, l'amour du sport. Ok. C'est vraiment, je kiffais le MMA et ça ressemblait vraiment à ce que j'aime depuis petit en fait. Du coup, le, la bagarre, tu vois, et le fait que j'aime ça. Ça m'a ça donné vraiment cette, cette envie de m'impliquer à 100%. Et aussi, euh, tu sais, tout à l'heure on parlait de, de science. Oui. Et en fait, le MMA, c'est une science en vrai. Parce que ce que j'aime avec le, les sports de combat, c'est que tu apprends la science de comment battre un adversaire. Comment battre un, ce style de combattant. Ce, tru, ce style de combattant. Euh, un lutteur, un striker. Et le fait d'étudier, de, de regarder comment je pourrais faire ci, comment je pourrais faire ça. Ça, c'est vraiment ce que je kiffe le plus dans mon sport. Genre avoir étudié un truc. Me dire que à ce moment-là, si je fais ça, ça va lui faire mal, etc. Et le faire en plus derrière, ça c'est vraiment ce que je kiffe le plus dans ce sport. Et euh, c'est pour ça en vrai que j'aime ce, ce sport. C'est assez marrant parce que ça, on en parlait en off juste avant. Toi, tu disais que tu étais un geek, un peu, tu aimais bien aller voir quand tu avais un combattant en face, ouais. euh, un petit peu des anciens combats de lui pour juste même t'imprégner de ce qu'il est capable de faire, des trucs comme ouais, ça. C'est un classique ça. Ça c'est un classique. Beaucoup de gens le font. Après, moi je le fais vraiment dans dans l'abuser. Vraiment, je regarde très très loin. C'est-à-dire que je peux aller regarder des, des combats du mec qui date de je ne sais quand. Pour voir s'il n'y a pas un truc qu'il qui, qu pourrait sortir et qu'on n'a pas vu sur ses derniers combats. Ou alors euh, voir aussi des adversaires qui l'ont fait galérer. Pourquoi contre lui il a galéré typiquement, etc. Et pouvoir appliquer ça dans ma stratégie, quoi. J'ai regardé la vidéo de la sueur où tu racontes tes premiers sparring et mmh. notamment un coup que tu as mangé qui t'a as séché euh, assez fort. Mmh. Comment tu as vécu cette période de découverte Est-ce que c'est là où tu t'es dit, ok, j'ai encore plein de choses à apprendre, encore des défauts, tu vois, parce que tu passes sur une autre pratique C'était quoi Alors, dans mon premier club de MMA, donc c'est en Allemagne, euh, j'avais fait peut-être 6 euh, mois, tu vois, au club de boxe style que je t'avais dit. Ouais. Et par après, mon père, il a vu qu'à la fin, euh, quand les sparrings sont finis en MMA, j'étais bien. Mon père, il a dit, vas-y, on va aller dans un vrai club de MMA. Okay. Donc, on est allé en Allemagne. Et j'ai passé deux ans quasiment à m'entraîner là-bas. Il s'appelait comment le club Il s'appelait mirko Fight Gym. Très bien. Donc, c'était à Offenburg, tu vois. Donc, on s'entraînait à fond, à fond, à fond. Et au bout de, ouais, peut-être un mois, deux mois là-bas, euh, je tourne avec euh, l'entraîneur du club. Donc, l'entraîneur, c'était un Tchétchène qui, qui était pas loin d'être à l'UFC. Tu vois, il, il était dans... Il était à un moment dans sa carrière comme je suis actuellement, donc il avait je crois 9 victoires, 0 défaites. Ah ouais, donc ouais. il était en plus entraîneur en plus d'être euh, ouais. pro. Mais euh, au moment où du coup je tournais avec lui, il, avait déjà, il était déjà sur la fin de carrière. D'accord, tu vois ce que je veux dire Ça veut dire, euh, ça c'était vraiment son prime, ce que je veux te dire. Et donc c'était un, un combattant assez connu en Allemagne, etc. Un vrai combattant pro quoi et je tourne avec lui en sparring, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. et à l'époque je savais vraiment pas boxer. Genre vraiment moi mon point fort c'était de faire tomber les mecs et de les de les, de les contrôler par terre, ouais, d'être un poison après. Voilà, d'être un poison. Mais en, en boxe anglaise pure, c'était vraiment pas mon truc. Là aujourd'hui, là je me suis mis à l'anglaise. <laughs> Donc euh, maintenant j'ai une bonne boxe, tu vois, pour un combattant même moi j'ai une bonne boxe. Mais même à l'époque, c'était pas ça. Et, et du coup, on tourne, on tourne, on tourne et c'est un club où on tourne fort. C'est-à-dire il y avait pas de sparring léger là-bas. Ouais. C'est-à-dire que même s'il y a une différence de niveau, il va pas il va pas avoir de la pitié pour moi, il va essayer de me sécher. On sent, vous, vous en envoyez un Alors, peu quoi. Exactement, c'est vraiment on se tape dessus quoi. Donc on s'envoie, on s'envoie, on s'envoie et je crois on a fait trois rondes, j'étais mort, j'étais cuit parce que quand tu connais pas un sport, ça te fatigue deux fois plus, tu vois. Donc j'étais cuit, j'étais cuit. À un moment, je suis dans les cordes, j'essaie de le frapper, j'essaie de le frapper et genre euh, pendant que je le frappais, j'ai eu une petite ouverture ici et il m'en a, a déclenché une dans le foie, frère. Et en fait, je crois c'était aussi le fait que j'étais trop fatigué, tout. Ouais, ça mange de tout, ça, la, ça la surprise, tout. la fatigue. Et là, pff, laisse tomber, frère. J'avais le protège-dent. En fait, ma mâchoire, alors que tu, vois, tu, tu peux la contracter, la décontracter. En fait, elle m'obéissait plus, elle s'est décontractée. Le protège-dent, il tombe de ma bouche. Oh, ouais. Ah, laisse tomber. J'avais jamais pris un coup comme ça. En c'est encore à l'heure actuelle le coup le plus marquant. Oui, parce que par après, en fait, depuis ce coup, déjà le foie, je sais pas pourquoi, mais je sens plus les coups au foie. Ok. Donc, euh, ça mon... t'a t'a Ouais, exactement. Déjà, ça, c'est carré. Et, euh, et aussi je le protège mieux Et du coup euh, depuis j'ai pas mangé de mauvais coups T'as fait tes débuts justement en MMA pro J'ai vu la ligue alors ça s'appelle le Art Fighting Championship c'est à Bâle en Suisse mm -hmm. euh, Contre j'ai noté Souris Mehdi le 17 août 2019 à 17 ans seulement Mais on, on commence pas professionnel je suppose Du jour au lendemain T'as eu des combats en amateur auparavant Alors j'ai pas eu de combat amateur okay. euh, Et il faut avoir 18 ans pour être pro Mais euh, du coup moi je suis né le 16 août Donc un jour avant ça <laughs> <laughs> et euh... Attends attends T'es allé faire ton premier combat pro le lendemain de ton anniversaire Exactement, exactement ouais. <laughs> Et du coup euh, ouais, mon anniversaire je l'ai passé à, à me réhydrater Remanger etc pour être en forme Pour le combat Et d'ailleurs la dame tu sais que pour assister à l'événement Fallait avoir 18 ans okay. Du coup euh, elle, te, elle demandait la carte d'identité et tout Et je, dis, euh, je monte ma carte d'identité Elle dit ah vous avez de la chance que c'est votre anniversaire euh, C'était votre anniversaire hier Parce que sinon vous auriez pas pu assister à l'événement alors que tu participais. Et moi j'ai dit, mais je viens pas pour assister. Tu vois et, euh, et voilà, du coup, c'était mon, mon premier combat. Et comment s'est passée la décision, justement, de, de passer professionnel, d'avoir ce combat C'est comment on te l'a proposé et tout C'était quoi l'idée derrière Alors, on m'avait proposé une date pour le HFC, pour un combat amateur. Donc, euh, j'ai dit oui. Donc, euh, j'y vais et tout. Et euh, je devais affronter un mec de Lyon, il me semble, à la okay. base. Et finalement. Attention, les mecs de Lyon. Euh... <laughs> et finalement, ce mec de Lyon. Il n'avait pas voulu faire le combat et il a affronté un autre mec. Ok. Donc un autre mec, du coup ils ont fait leur combat amateur et tout. Et du coup moi je me retrouve à être euh, arrivé pour rien, euh, me peser pour rien et tout. Et il me dit bah écoute le combat je peux pas te le faire, mais on a un combattant qui veut faire un combat pro. Demain. Ok. Donc euh, est-ce que ça t'intéresse Et donc euh, là je me suis dit bah vas-y. Hein. Et du coup premier combat pro. Euh, voilà. C'est euh, euh, par hasard. Ouais, par hasard. On voulait pas le faire directement en pro. Je savais même pas euh, est-ce que je suis capable de, de supporter tout le public. Tu vois C'est pour ça aussi qu'on fait des combats amateurs. C'est même pas pour une question de niveau. C'est d'expérience. C'est ça juste pour, pour savoir comment une personne réagit au fait qu'il y a du monde, de, de faire son entrée, etc. Tu sais, parfois il y a des, des points d'interrogation qu'on connaît pas. Et euh, bah du coup, j'ai pris le risque et j'ai fait le combat pro direct. Quand t'es au tout début, tu devais pas être. Entouré comme tu es maintenant, comment s'est passée la prépa du combat qui était autour de toi à ce moment-là Tu étais solo, c'était comment bah, Je m'entraînais du coup euh, au Mirkos Fight Gym à Offenbourg. Euh, et malgré que je suis très bien entouré aujourd'hui, j'étais quand même bien entouré avant. Okay. J'ai toujours eu mes grands frères à côté de moi. Et mes grands frères aujourd'hui, ils font partie de, de mon entourage. Donc j'ai toujours eu mes grands frères, j'ai toujours eu mon père. C'était juste le coach à la limite qui changeait. Et tous les, tout ce qui se passe autour de l'entreprise Baki n'était pas là. Mais euh, autour du, de l'équipe combat en tout cas, on était bien. Donc euh, on, est arrivés, on était arrivé près quoi. Les grands frères, ils avaient déjà un peu leur rapport sur ce que tu faisais. Oui toujours, toujours. Nous ça a toujours été très familial, donc euh, c'est magnifique. Bah j'ai eu la chance de le rencontrer, je confirme. Hein. Il ouais. est très 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 gentil et franchement ça m'a fait plaisir. C'était un vrai honneur de, de le voir avec euh, avec toi au japon. L'honneur est pour nous euh, Zach. Oh là, 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 là. On s'entend bien oui. Est-ce <laughs> est que tu peux le raconter ce premier combat Comment ça s'est passé Alors euh, du coup c'est le Medisouri, c'est un boxeur boxe anglaise. Il a gagné des titres euh, en championnat euh, de boxe anglaise. C'est ce que j'avais vu sur Internet euh, dans, dans la région, donc le Grand Est. Je crois qu'il avait beaucoup de combats, une vingtaine de combats déjà. Ok. Donc... Mais en boxe anglaise. Euh, et donc euh, moi, dans la voiture, en y allant, parce que du coup ils nous ont changé l'adversaire la veille, tu vois, en y allant, je vois l'adversaire et je dis, bon lui, il faut l'emmener au sol et on règle le problème. Très bien. Parce que c'est un mec en boxe anglaise. Donc euh, c'est ce qui s'est passé, on commence. Euh, 5 secondes, il est par terre. Je lui traîne un peu dessus parce qu'il se débattait beaucoup il avait beaucoup de force tu vois, et à l'époque j'étais pas lourd comme aujourd'hui j'étais beaucoup plus léger j'avais même pas T en vrai tu vois. ah ouais bah je faisais 80 kilos dans la vie de tous les jours donc euh, juste juste on t'annonce le combat tu t'entraînes un peu plus t'es déjà à 77 tu vois d'accord donc euh, j'arrive au combat euh, au poids l'autre je pense il était un petit peu plus lourd donc euh, quand il se débattait j'avais du mal à le stabiliser pour le frapper mais au final, au bout d'un moment, il l'a fatigué, il a lâché, il a lâché le morceau, et quand il restait une minute, bah je ai, je l'ai mis un, un enchaînement à la fin euh, par terre et, et l'arbitre il a décidé d'arrêter. Première victoire professionnelle, voilà, pour ouais. euh, ceux qui la voulaient. C'est intéressant parce qu'au final, c'est ce que j'ai vu, ça se passe bien euh, là-bas. Parce que tu termines tout 2019 euh, dans cette même ligue en gagnant tes deux et troisième combats pro. J'ai noté euh, les noms, hein, Fabien Jeanfreux, Lucas Mayer mmh. Est-ce que c'est une période qui t'a permis de t'affirmer, de gagner un peu en expérience C'était vraiment les débuts de carrière pour toi Ouais, ça m'a permis d'avoir euh, cette sensation d'être à la maison quand tu vas dans la cage. Donc euh, pour l'instant, c'était au HFC que j'avais cette sensation-là. Et il fallait la développer du coup dans euh, toutes les autres organisations. Donc euh, au HFC, je me sentais vraiment à la maison. Les organisateurs commençaient à me connaître. Il y avait une petite hype qui se créait aussi à à Strasbourg. Les gentiment. gens les venaient me voir. On gagnait, on gagnait, on gagnait. Et, euh, et après, on est, on est passé au 100% fight. Hein. Avant le 100% fight, c quand t'étais dans une ligue comme ça, justement 1-0, 2-0, 3-0, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui connaissent pas les tout débuts de carrière. Par exemple, ça se passe comment la rémunération à ce niveau-là quand t'es pas encore, par exemple, très connu ou alors que t'es dans une petite ligue. Est-ce que même tu gagnes quelque chose? Alors normalement en pro, on doit toujours gagner de l'argent. En amateur, je sais pas. Je sais qu'en amateur, on gagne aussi de l'argent. Mais là, euh, pour ces combats-là, on me payait 100 euros quand je gagne okay. et 50 euros perdant. Okay, C'est euh, vraiment... Je l'essence, quoi. Ouais, <laughs> les Merci d'être venu, quoi. Ouais, exactement. Après, bon, il faut bien qu'il y ait aussi ces petites ligues pour développer les petits combattants qui et commencent Et les aussi, euh, quand tu es combattant, au début, si tu décides de combattre pour l'argent directement, ça marchera pas, tu vois. Vraiment... C'est un investissement en vrai. Tu peux combattre pour l'argent. Mais il faut vraiment voir loin. Si tu espères toucher des, des grosses sommes au début, à moins que tu sois pistonné, normalement, tu toucherais touches rien. Ouais. Ah ouais, c'est logique. Mmh. Cette période t'amène à signer justement au 100% Fight. C'est une organisation quand même très reconnue en France, qui a vu défiler des noms comme, euh, bah, j'ai noté, Francis Nganou, Saladin Parnas ou encore Morgan avant toi. Mmh. Comment elle se passe, ton arrivée là-bas C'est eux qui viennent te chercher Alors, ce qui se passe, c'est que moi, après mes trois premiers combats au HFC, bah, le club, en fait, en Allemagne, mirko Fight Gym, il ferme. Enfin, il ne ferme pas, mais les cours de MMA, ils s'arrêtent. Ok donc euh, j'ai besoin de trouver euh, un nouveau club pour m'entraîner. Et il se trouve qu'au HFC, j'avais fait la rencontre d'un mec qui s'appelle Eddy Carda. D'accord. Donc Eddy Carda, c'est un mec, euh, il était venu avec son poulain. Et lui comme moi, on était arrivé trop tôt à la pesée Du coup, on discute un peu. Et il me dit qu'il a un club à Sarbourg, tu vois. Donc à 60 km de là où je suis. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et le club où je m'entraînais à Offenbourg c'était aussi 60 km. Donc je me dis, bon, il est à 60 km, je pourrais peut-être faire un tour chez lui. Du coup, j'ai pris, un... pris son numéro, surtout qu'on s'entendait bien. Son poulain, en plus, il a gagné. J'ai gagné aussi. Donc, on se dit félicitations, machin. On se dit à bientôt, machin. Je rentre chez moi. Je suis tout content de ma victoire. Je vais à mon club, euh, le mirko Fight Gym. Ils me disent, ouais, c'est fini les cours de MMA ici. Je dis, ah. Bah, <laughs> soudain. Ouais, <laughs> c est... C est... Je m'y attendais pas. Ouais, relou, tu vois. Du coup, je rentre chez moi et euh, j'appelle Eddie. Je lui dis, eh, écoute, euh, mon, mon, mon club il a fermé, enfin je peux plus faire de MMA là-bas. Est-ce que ça te dérange si je passe un petit peu m'entraîner euh, chez toi, etc. Et si ça me plaît éventuellement à, à m'inscrire là-bas Il me dit avec plaisir et tout, viens, viens, viens. J'arrive là-bas et en fait je vois que qu'Eddie c'est un coach de fou furieux. D'accord. C'est vraiment le. Bah, moi, une de mes meilleures rencontres dans... depuis que je fais du MMA, c'est Eddie Carda. Ok. Donc, tu travailles encore avec lui ou que tu Eddie actuellement Carda, actuellement, c'est toujours mon coach. Magnifique! Tu vois, donc euh, Eddie Carda il avait des contacts avec Hatch du 100% fight. Ouais. Et euh, du coup, euh, deux mois plus tard, on, on fait notre. Euh, ce qui est bien, avec, en fait, c'est que j'étais déjà pro en rencontrant Eddie. Eddie, il avait déjà euh, deux, deux combattants pro. Et du coup, moi, je suis arrivé direct au troisième combattant pro. Et, là, et genre quand tu dis qu'il est extraordinaire, c'est parce que quand tu es arrivé avec lui directement, il t'a vu faire et, et genre il, il a corrigé des défauts, il t'a directement donné des conseils, Dé il t'a beaucoup accompagné. Déjà, il y a un truc qui est important avec un coach, c'est le feeling. En tant que le, le feeling que j'avais avec Eddie, il était très particulier. J'avais vraiment vraiment euh, j'aimais trop comment il, il fonctionnait et, euh, et aussi ouais ses connaissances. Genre déjà, c'était la première fois que je faisais des sparring légers. <laughs> ah, ah oui, il avait connu que la bagarre ouais, de fora jusque là Ça veut dire que pendant deux ans j'ai fait des sparring. je savais pas que ça existe des sparring légers, je me dis mais c'est quoi ce truc Parce qu'en fait m'avait fait tourner avec un mec, son autre pro, c'était un très léger, il faisait 60 kg. Je tourne avec lui et Eddie il me voit l'enclencher. En, il me dit mais pourquoi t'enclenches mon gars comme ça, il est tout petit, il fait 60 kg Je dis mais tu nous as mis vers un sparring, comment ça je l'enclenche pas tu vois Et il m'a dit mais non, vas-y doucement. Et genre moi je me suis dit mais comment ça doucement genre ça n'avait pas de sens pour moi de me dire qu'on devait y aller doucement. Je <laughs> suis vraiment euh... ton sang de tête la... Mais en fait c'est comme ça que j'ai commencé le MMA tu vois. Et euh, du coup euh, il m'a appris les les sparring légers. Et, et en fait c'est ce truc là c'est ce qui te fait le plus progresser en réalité. Parce que quand tu fais un sparring léger c'est là que tu peux te permettre de tenter des choses. Ok. Tu comprends. Alors que quand tu fais un sparring lourd c'est plus pour appliquer les choses que tu sais déjà faire. Ok. Alors qu'un sparring léger, tu peux essayer avec moins de conséquences. Exactement. Ça veut dire maintenant si j'ai tenté une nouvelle technique que j'avais apprise ou, ou quoi, bah si si je la loupe et que le gars il me punit, c'est pas, pas la catastrophe quoi. Pas dramatique. Voilà. Alors qu'un sparring lourd, si tu prends un, un mauvais coup parce que t'as tenté une connerie, bah, tu peux limite tomber KO, tu vois. Ok. Donc, je vois. Euh, donc voilà, j'ai appris les sparring léger, ça m'a permis de d'adapter mon jeu, de progresser et, et, et améliorer mon, mon striking surtout. Et, et aussi Edicarda c'est un super club de grappling aussi Très bien ouais. Donc euh, encore sur un truc que toi tu ça. kiffes bien C'est ça Et du coup ça a continué le fait que je sois un combattant complet Et euh, on a continué à progresser, progresser, progresser Et faire ce fameux combat au 100% fight lui-même, il est devenu très didactique, hein, parce qu'encore une fois, hein, quand euh, j'ai tourné dans la cage avec lui, j'ai donné mon coup en premier. <laughs> il m'a mis un petit truc léger. Il a dit "Non, donne pas le coup comme ça, parce que je vais te mettre une guillotine." <laughs> Exactement. Avoir, euh, de bons conseils, de ouais. bons conseils. Et en parlant euh, des, des combats, c'était important pour toi de pouvoir combattre en France ou commencer à pouvoir combattre en France Bah, c'était c'était fou parce qu'à l'époque, quand j'ai combattu, du coup, au 100% fight, c'était pas du MMA encore. D'accord. Oui, c'est vrai que j'ai vu que vous étiez oh. sur un ring carré. Ouais, c'était un ring carré, c'était du Pancras, parce ouais. qu'en fait, euh, le MMA ça n'existait pas. C'était pas encore légalisé. Ouais, ouais. c'est ça. Du coup, ils ont trouvé une petite alternative. C'était du coup du pancras. On n'avait pas le droit au ground and pound. C'était euh, du coup les coups au sol, tu vois, c'était interdit. C'était, euh, on boxait debout. Et une fois que la personne elle est au sol, il fallait lui mettre une soumission. Si ok. Ou prendre des positions et dominer comme ça, quoi. Donc, euh, j'ai fait mon combat euh, contre un mec qui s'appelait Onfel Makumbu. Oui. Donc, je remporte la victoire euh, à la décision unanime. Et euh, voilà, premier euh, premier combat en France, euh, on était content. J'avais même noté un, un, un ticket où, euh, le combat d'après contre Atila Koba, Koba, c désolé si je prononce pas bien. Euh, à quel point c'était plus sérieux, peut-être par rapport à ce que t'as connu jusqu'ici, c'était dans la lignée ou c'était pas spécialement. Je veux dire le combat bien. contre Atila. Oh, les deux, ouais, on va dire ceux 100% Est-ce qu'il y avait une hausse de niveau par rapport à ce que t'avais connu au ouais, euh, HFC Alors moi, de toute ma carrière, j'ai jamais senti une hausse de niveau par rapport au fait que je change d'organisation. D'accord, c'est intéressant ça. Ouais. En fait, le, la hausse de niveau, c'est simplement l'adversaire que tu prends. C'est-à-dire que si ton adversaire est meilleur, tu sentiras une différence de niveau, mais c'est pas parce que tu combats dans une nouvelle organisation mmh. que le niveau il va être différent. Après, dans ce cas-là, l'organisation elle peut avoir ses combattants meilleurs aussi. Exactement. Tu, tu vois ce que je veux dire Et c'est en montant dans le classement des meilleures organisations que tu finis euh, inévi inévitablement par affronter les, les, les vraiment les bons. Tu vois. Donc euh, au 100% fight j'ai pas vu de différence par rapport au HFC Oui Mis à part le fait que du coup il n'y avait pas de Grand N'Pound euh, Et d'ailleurs euh, contre Attila on avait de nouveau le droit Parce que le combat était Enfin le MMA était légalisé en France euh, Entre euh, l'un des deux ouais, Magnifique ça Parce qu'il y a eu le Covid aussi entre temps tu vois Ouais je sais j'ai vu que ça t'avait rendu un peu inactif pendant quelques temps C'est ça Mais ce qui était bien aussi avec le Covid Je vais pas te mentir c'est que j'ai grandi entre temps oh. Parce que du coup quand j'ai fait le combat euh, contre Unfell, Mon premier combat au 100% fight Ça fait que j'avais un record de 4-0 ce qui est un bon score en pro, tu vois. Aujourd'hui, même des combattants. Il euh, y a très peu de combattants qui ont 4-0 euh, en France, en vrai de vrai. Tu ouais. vois On est. On est bataille les combattants pro, certains combattants pro qui montent, mais il y en a beaucoup qui ont des scores avec des 2-2, 3-1, 2-1. Ouais, on va dire des débuts de carrière moins fluides. Quoi. Exactement. C'est un bon début de carrière, 4-0, et j'avais que 18 ans encore. Et du coup, qui est le Covid, parce que moi, je voulais encore enchaîner, parce qu'à l'époque, je faisais des combats tous les 1 mois et demi, tu vois. <laughs> Vu que je voulais encore enchaîner, il y a eu le Covid qui m'a stoppé. Et. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu un peu tous les Français, tous les combattants français que je suivais euh, dire Ouais, bah, du coup, on peut pas s'entraîner, machin. Et je me disais pourquoi, il, pourquoi ces mecs ils se cherchent des excuses pour pas s'entraîner, tu vois. Et c'est à ce moment-là que mon père il m'a dit, il dit euh, Nous on peut pas s'arrêter. On est allé dans le garage. On a enlevé tout ce qu'il y avait dans le garage. Et on a accroché un sac de frappe. Et du coup, j'ai passé mon, mon, mon tout le confinement, tout, toute la partie Covid où il n'y a pas de combat. À fracasser ce sac de frappe et améliorer mes jeux. Ça veut dire que je rentrais chez moi, je regardais euh, vraiment les, les détails techniques sur chacun des coups et je les répétais des centaines de fois au, au sac jusqu'à avoir des coups qui deviennent vraiment propres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes mon anglaise en MMA, j'ai une vraie anglaise de la boxe anglaise. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et c'est très propre, c'est très propre à voir. Et euh, tout ça, c'est dû aux, aux heures de travail que j'ai fait pendant ce temps-là. Donc, euh, toi, il n'y avait pas de confinement PlayStation, euh, partie euh, Xbox. Bah forcément, en vrai, Xbox. si. Oh, quand même un peu. Bah, bien sûr, c'était le confinement. Forcément, faut, tu, te, tu, tu kiffais aussi, tu vois. Mais euh, je n'ai pas, pas ralenti l'entraînement euh, par rapport euh, au fait qu'il y ait le confinement. En reparlant vite fait de ça, vu que c'était la période 2020, c'était aussi celle où tu as dit que tu étais en Tchétchénie pour t'entraîner. C'est ça. Ça s'est passé comment, justement, ce passage en Tchétchénie bah, pour t'entraîner au tout début de ta carrière, justement Je ne sais pas si tu te souviens, mais du coup, le Covid, il nous a tapé en début d'année 2020. Ouais, 2020. Ouais, mars 2020. Ouais, mars 2020. Euh, on a eu le confinement d'ailleurs, je crois, en mars ou avril. Ouais, euh... c'est ça, le euh, 13 mars. Ouais, du coup, euh, ça a duré jusqu'à l'été. À, jusqu à l'été, on a eu un moment tranquille. Oui. Et après, de nouveau, en septembre, euh, seconde vague. Machin, ouais, ouais, machin. seconde vague et tout. On a senti la seconde vague arriver. Mes parents, ils ont dit, on va en Tchétchénie, on va pouvoir s'entraîner là-bas. Magnifique. Ouais, du coup, on va là-bas, on s'entraîne à fond, à fond, à fond. On passe un mois, un mois et demi à s'entraîner. En plus, je m'entraîne avec l'élite des, des combattants tchétchènes euh, qui s'entraînent du coup. Euh, Combat au ACA, mmh. aujourd'hui c'est une des plus grosses ligues de MMA au monde. C'est quoi l'acronyme ACA euh, Ahmad euh, quelque chose, je crois. Ok, c'est un truc tchétchène d'ailleurs. Très bien. Et euh, bah, dans, dans l'est du monde, le ACA c'est vraiment très connu. Tu vois. Ok, très bien. Donc, vraiment, Moi, je connaissais pas du tout. C'est vraiment des excellents combattants qui sont là-bas. Du coup, je m'entraînais avec ces mecs. Euh, on tournait en sparring Du coup on retrouve Les Que, que j'avais à l'ancienne à Offenburg <laughs> <laughs> Les sparring lourds Tu vois ils connaissent Ah ouais pas. là les sparring légers C'était ouais, mis en pause C'était mis en pause ouais Du coup on, on peut mettre Un peu en application Ce que j'ai appris chez Eddy J'ai aussi appris Pas mal de choses là-bas Sur la, les trucs de lutte Des trucs que, En France malheureusement On, on connaît pas trop okay. le, Comme le fait d'utiliser la cage Tu vois ça c'était un peu Mon arc Utiliser la cage Genre, avant, je savais pas comment on utilise la cage. Et quand tu dis utiliser la cage, c'est pour mettre le gars, je sais pas, dos à la cage, ou alors l'utiliser pour rebloquer le gars. J'essaye de... de comprendre un peu. On utilise la cage pour rebloquer le gars, on utilise la cage pour se relever, on utilise la cage pour, euh, pour gagner du temps, pour okay. fatiguer l'adversaire. Il y a énormément de raisons d'utiliser la cage. Et ces trucs, tous ces trucs-là, je les ai appris là-bas. Et après, euh, bien sûr, en un mois, tu n'apprends pas 10 000 trucs, mmh. mais le fait d'arriver en France, France après et pouvoir les mettre en application sur des gars un peu moins bons. Euh, sur les phases de lutte, ça te laisse le temps de creuser ça. le dessus. Euh, parce ouais, que ouais. du coup, en Tchétchénie, j'apprenais, mais j'arrivais pas à le refaire, tu vois, puisqu'ils étaient vraiment bons en lutte. Et euh, après, le fait de le refaire en France et tout, ça m'a gravé des ouais, Il y a quelqu'un qui me dit dans le chat Petroyan vient de la CA. Exactement, il était champion là-bas. Et bah, comme quoi, le niveau de la ligue, fort. Mmh. Et euh, justement, euh, sur ce passage-là, euh, ça me permet d'embrayer sur un autre sujet qui va, ça va être un petit saut dans le temps, mais euh, tu as aussi tourné, on le sait, avec euh, Hamzat ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi beaucoup aidé Est-ce qui t'a appris des choses euh, Ça s'est passé comment, justement Parce que on sait que tu as fait partie de son camp de préparation pour le combat face à Costa, même si ça n'a pas été face à Costa. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, euh, c'était après mon combat de juin à l'ARES mon quatrième combat à l'Arès. Donc euh, je vais à Dubaï pour, euh, pour m'entraîner avec Ramsat et franchement c'était cool ça m'a permis de voir un peu euh, comment se passe un camp d'entraînement pour le top le niveau mondial tout simplement hein. ok donc euh, déjà je vois un peu à quel point c'est organisé je vois à quel point un entourage se met à fond pour une seule personne donc là les sparring partners ils n'étaient pas là pour s'entraîner eux tu vois par exemple comme moi aujourd'hui je prépare un combat je prépare euh... bon aujourd'hui c'est un petit peu différent mais genre par exemple il y a un an quand je préparais mes combats ben je préparais mes combats avec des mecs qui en profitaient pour s'entraîner avec moi. Ouais. Ça veut dire que c'était des sparring où on, on échangeait. Mais là, on était littéralement dans un objectif commun. C'est-à-dire okay. que j'allais pas à Dubaï pour m'entraîner et progresser. Non. J'allais à Dubaï pour que Khamzat gagne son combat. Tu vois ce que je veux dire C'est pas pareil. Euh, c'est pas pareil. Et ça m'a permis un peu de voir comment du coup, euh, les mecs là-bas s'entraînent ils, ils au haut niveau. Je pense que ça doit... Je pense que c'est encore un cran au-dessus par rapport aux autres combattants du haut niveau. Ok. Mais euh, du coup, ouais, j'ai pu voir directement le... Le meilleur niveau qui existe. Ramzad, j'ai vu aussi qu'il a une lutte de fou furieux. Ça veut dire que même quand j'étais allé en Tchétchénie, j'avais pas vu des luttes comme ça. Donc on a encore appris des trucs. Et, euh, et forcément, il euh, y a un truc. T'apprends beaucoup, beaucoup de choses. Logique. Euh, L'expérience. L'expérience, la confiance aussi. Quand tu tournes avec des mecs comme ça et que tu t'en sors très bien, bah au final, euh, tu te dis qu'affronter des mecs euh, ici en Europe, c'est simple, tu vois. Et ouais, ça m'a beaucoup apporté ce camp entraînement. Mais comment t'en es arrivé justement à le rencontrer comme ça Vous aviez déjà des contacts auparavant Ça a été facilité par quelque chose Nous les Tchétchènes dans le monde, on est à environ 1 500 000. On est à environ 1 500 000, ça veut dire qu'on n'est pas beaucoup. Ok. Tu... tu rajoutes le fait que des combattants pro, il ben, y en a pas énormément non plus. Ah, C'est vrai que ça fait de. Ça fait une petite fourchette, tu vois. Ouais. Donc forcément, on se donne la ce fort de ouf. D'ailleurs, nous les Tchétchènes, on s'affronte même pas entre nous. Donc. Euh... Hamzat, il avait vu que j'avais combattu à l'ARES, euh, mon deuxième combat à l'ARES, contre, contre Bobby Palette. Yes. Et après, j'ai vu. Euh, Hamzat Chimaev vous suit euh, sur Instagram. <laughs> t'étais après... content. Ouais, étais content. <laughs> ça se de... voit, le sourire que voilà. t'as, t'étais heureux. Et après, il m'écrit, euh, il, il me dit, ouais, félicitations. Après, il me donnait la ce après chaque combat et tout. Et du coup, après mon quatrième combat à l'ARES, euh, il m'a dit, euh, si tu veux venir, ce euh, serait bien et tout. On, peut, on pourra se préparer ensemble. Et, euh, et c'est comme ça qu'on. On s'est capté, quoi. En parlant de ça, justement, de l'Arès, dans, dans quelle mesure, genre, justement, le passage euh, de, de, du 100% Fight à l'Arès a été, euh, justement, facilité par tes victoires euh, là-bas Genre, c'est eux qui sont venus à toi Ça s'est passé comment Alors, j'avais fait un combat contre Attila Kobas. Attila Kobas, il était un petit peu connu sur euh, Twitter. Euh, bon pas énormément non plus tu vois mais c'était un, un combattant un petit peu connu donc le ouais. combat il avait une vraie hype en plus c'était euh, Attilat il a un vrai prénom de guerrier contre Boy Singur le mec il a aussi un prénom de guerrier et je me rappelle que sur Twitter ça avait fait un petit peu de bruit ce combat les gens ils avaient hâte et euh, du coup le... d'ailleurs c'était aussi le moment où le MMA revenait parce que du coup les gens ils avaient arrêté de regarder parce qu'il y avait eu le Covid et c'est la première fois qu'on commençait à avoir des événements de vrai MMA en France et donc le combat il était il était un petit peu hypé j'ai gagné ce combat et du coup, j'ai pris un petit peu en notoriété aussi et après le Ares, euh, j'étais allé au... m'entraîner à Paris, j'ai pu un petit peu tourner au Factory et du coup, euh, Fernand m'a donné un contrat pour, pour Ares. Ouais, c'est eux qui sont venus vers toi Ouais, ils sont, ils sont venus vers moi, ouais. Et justement, euh, au moment où tu signes là-bas, tu, tu te dis c'est la suite logique d'une carrière, c'est une opportunité, tu signes pour combien de combats par exemple Alors ouais, j'avais signé, euh, bah, c'était une opportunité parce que c'était la plus grosse organisation en France, tu vois c'était tout nouveau et tout. c'était En plus, les gens, ils en parlaient en bien parce qu'ils ont, ils ont pu assister. Et tu sais, en France, on n'a jamais eu de vrai événement à l'américaine un peu. Et le arrêt, c'était les premiers. Donc, euh, c'était franchement un plaisir de combattre là-bas. Donc, j'ai fait, fait quatre combats au total là-bas. Ouais, c'est ce que j'avais noté. Ouais. Et, euh, et voilà, super expérience. Dans quel état d'esprit tu te sens quand arrives pour ton premier combat là-bas contre Michael Sardi Parce que par exemple, je l'ai regardé pour préparer l'émission et euh, c'était pas un combat. Hyper simple je trouve euh, euh, pour, pour démarrer là-bas bah, Marie Sardi c'était un combattant qui avait 3-1 3-1 c'est un bon score Et euh, c'était aussi un mec euh, Bon pas beaucoup de gens le connaissent Mais c'est un mec qui, qui a fait beaucoup de pieds points Une dizaine d'années et, euh, et il était réputé pour frapper très fort tu vois. Okay. Donc euh, moi je suis arrivé Avec, euh, avec un, un style de combat très, euh, très mobile Je bougeais beaucoup Et au moment où lui il commençait à s'impatienter pour, euh, pour boxer et Pour, euh, pour enclencher bah je le luttais je l'emmenais au sol donc je l'emmenais au sol et après je le fatiguais encore au sol et quand on se relevait je le retouchais beaucoup avec mon bras avant et j'ai gagné le combat à la décision sans prendre de risque parce que j'étais vraiment dans l'optique où je voulais pas prendre de risque dans ma carrière je voulais gagner toujours de manière dominante okay. ça c'est vrai mais je voulais pas prendre de risque ah c'est intéressant ce que tu dis ouais. ça c'est vrai que les trois premiers combats au final se ressemblent c'est trois victoires à la décision c'est ça c'est ça je prenais vraiment très peu de risques je gagnais mes combats pour être sûr de, de gagner tout simplement et, euh, et voilà tu montes au fur et à mesure étant très actif dans la ligue, tu as remporté trois premiers combats, c'est ce qu'on vient de dire. Est-ce que c'était l'année de la confirmation pour toi 2022? Ouais je pense c'était l'année de la confirmation pour moi mais aussi pour, pour la France. C'est aussi le moment où j'ai commencé à devenir un, un petit peu connu on va dire dans le monde du MMA. Parce que 2022, c'est aussi l'année où le MMA prend une certaine dimension en France. Tu as plein de médias qui commencent à en parler. Tu avais euh, tout ce qui, tout, toute l'agitation autour, par exemple, d'un Cyril Gann. Tu as notamment la sueur qui commence à s'intéresser à toi. Comment mmh. tu vis, toi, cette exposition bah, Ça faisait bizarre, parce que du coup, c'était les premières interviews que je faisais. C'était les premières fois que, du coup, on me mettait une caméra devant moi. Ouais. Et euh, ça faisait un petit peu bizarre, mais c'était aussi quelque chose auquel je m'attendais. Parce que moi, j'ai toujours été sûr que j'allais réussir dans ce sport. Et, euh, et forcément, euh, bon je savais pas que ça allait arriver direct pour 2022, pour Arès et tout. Mais euh, ça faisait plaisir aussi. Ça, ça commençait à, on commençait à avoir de la reconnaissance pour un travail qu'on faisait beaucoup dans l'ombre. Et tu le sens, ce côté jeune qui monte, euh, quelqu'un avec du potentiel, peut-être encore quelques défauts à gommer et tout, machin Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on s'inscrit sur ça Est-ce que ça donne encore envie d'essayer de progresser Est-ce qu'à des moments, ça, ça, ça fait qu'on se pose un peu, qu'on gagne en confiance bah je sais pas comment ça se passe de manière générale mais pour moi cette petite image de de, de jeune crack qui est en train de monter ça me donnait vraiment euh, l'envie d'en donner de donner encore plus d'accord comme si j'avais maintenant euh, des, des gens qui comptaient sur moi pour réussir et euh, forcément ça fait du poids en plus sur le pourquoi tu veux réussir tu vois je comprends et au niveau environnement familial comment ça se passait pour gérer tout ça euh, ben bah là c'est aussi le moment où du coup mes grands frères ils se sont mis sérieusement euh, à, à, à gérer la carrière, tu vois, sur les parties médias, sur la partie où il fallait contacter euh, les, les sponsors, etc. Et euh, ouais, c'était le moment où l'entreprise Baki se construisait. quoi J'aime bien le principe d'entreprise Baki, tu vois, d'être <laughs> bah, à plusieurs pour forger un truc. C'est ça. En fait, en, en fait Baki, c'est une entreprise et moi, je suis le, le bagarreur de l'entreprise. T'es <laughs> <laughs> l'asset principal et t'es entouré exactement, par plein de gens. Exactement. Et là, à l'heure actuelle, ça se passe comment, par exemple bah là actuellement c'est toujours ça, c'est juste que maintenant on a des rôles vraiment beaucoup plus définis, donc on a vraiment, chaque frère il a son rôle, et euh, moi on essaie de, de m'enlever le plus de, de, de trucs de, des épaules pour que je sois vraiment concentré, comme au début à l'époque où j'avais aucune responsabilité, sur comment devenir plus fort, tout simplement. Selon toi, et je sais que c'est une question qui revient souvent, donc je m'étais dit que c'était intéressant de te la poser, qu'est-ce qui a permis à la discipline de devenir ce qu'elle est devenue maintenant Beaucoup vont parler, par exemple, de visage, de Cyril Gann, de BSD, d'Andoumbé ou de toi maintenant. Comment t'expliques cette croissance du MMA en France et comment tu te places vis-à-vis -vis de ça euh, Déjà, je pense le fait que c'était pas légal et que ça soit devenu légal, c'est euh, for for forcément ça apporte déjà de la hype au truc. C'est-à-dire, les gens ils disent mais pourquoi c'était interdit déjà euh, Aussi le fait que ce soit du combat, le combat c'est quelque chose qui depuis le début de l'humanité, les gens ils sont fascinés par le combat. Tu vois, dans la dans la Rome antique, ils avaient des, des gladiateurs qui se battaient. Oui. Et en fait, les gens, même qui n'ont rien à voir, quand ils voient deux personnes se battre, ils viennent regarder. Même dans, la, dans les cours de récré à l'époque, je pense, tu t'en rappelles. Oui, ça avait, avait un côté fascinant, on va pas se mentir. Quand il y avait une bagarre, même les gens qui n'avaient rien à voir, et la petite fille qui, qui travaillait super bien à l'école, elle venait regarder la bagarre. Parce que c'est quelque chose qui intéresse. Donc déjà, ce truc-là, ça a apporté énormément de, de, de hype autour de, de ce sport. Et forcément, du coup, les visages aussi. Si tu regardes en vrai les combattants, sur les réseaux sociaux, ils sont grave présents. C'est vrai. Des mecs qui se cherchent, ils s'envoient des pics. Et en plus, ils sont drôles. Genre, c'est pas, pas éclaté ce qu'ils font, tu vois. C'est vraiment drôle. C'est des trucs que limite des, 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 des mecs de des réseaux, ils pourraient faire, quoi. C'est vrai. Moi, je je l'ai même pas cité, alors que pour moi, c'est l'un des ceux qui m'a qui a commencé à me connecter à la pratique, c'était Morgan, tu vois. Mm. Avec très vite en 2019, en 2020, tu vois, des suivis de ce qu'il faisait, de ouais, sa carrière. Oui. Et après derrière, ça a pris le relais avec d'autres, tu vois. Mais ça, c'était quelque chose qui bah, m'a connecté beaucoup de gens, tu vois. C'est vrai que Morgan, c'était un peu un, un, un mec qui est arrivé et qui a dit regardez comment faut faire. Parce qu'à l'époque, il y avait les Français déjà, ils, ils faisaient combat. Et puis quand il y avait pas de combat, c'était des gens normaux. C'était je Ouais, ouais c'est ça. Morgan, il est arrivé, il, est, il a montré que non, faut. Il faut, faut réussir à entretenir de la hype. C'est aussi ce qui fait que tu peux vivre de ton sport. Et qu'il a aussi montré que c'était possible, tu vois. Je pense que le premier à vraiment, vraiment vivre du MMA. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et euh... moi, je me rappelle de cette époque. C'était le moment où il faisait les trucs perte de poids avec Kameto et tout Exactement. Ouais, euh... Je te rappelle, il n'avait plus jamais gros. Et puis après, Exactement. lui, il faisait aussi des vlogs. Tu sais euh... que moi, Morgan, je le suivais quand il avait 6000-5000 déjà sur Twitter. Ah, oui, t'étais ouais, un ancien, T'étais un des premiers. <laughs> ouais, des ouf. Je, tu regardais sais sa... ce qu je regardais sa chaîne YouTube. Où je me rappelle, il faisait des tutos comment devenir pro, euh, il faisait des tutos, euh, comment progresser dans le MMA, qui aller voir pour faire ses premiers combats pro, tu sais, c'était des vrais tutos. comme et Ça t'a vraiment aidé Ah vraiment, ça m'a aidé. Ah bah tu vois Ouais, c'était vraiment le premier mec qui faisait des tutos comme sur un jeu vidéo, comment, comment faire si tu vas voir ce, ce personnage, ce, ce PNJ pour qu'il te donne, donne la quête et tout. Il te faisait des trucs comme ça, mais dans, dans le MMA, tu vois. Magnifique. Incroyable. C'est beau de voir que ça a finalement aidé quelqu'un euh, ouais, concrètement, tu ouais, vois. Ouais, vraiment, vraiment. Et t'as et, et pu lui en parler, ça euh, non, je n'ai jamais eu l'occasion. Ah ouais? Moi, ouais, j'ai jamais eu l'occasion. Après, moi et Morgan, on se suit. Mais euh, jamais. Bah, après, je l'ai ja... jamais vu dans la vraie vie, je crois. Mmh. Je l'ai vu une fois peut-être. Bah, écoute, Morgan, si jamais tu vois ça passer… Euh... Force à toi, Morgan. Voilà, il y a quelqu'un qui te, qui, qui te rend hommage. Euh, je vois casser Baki dans le chat, ça me, fait régal ça me régale ça. Euh, en 2023, tu, tu vis une année, peut-être que je décrirais, tu me dis si t'es d'accord, peut-être un peu plus con contrastée. L'organisation t'offre la chance d'affronter Efrain Escudero, un ancien de l'UFC. Alors, moi, j'ai pas compris tout le truc. J'ai vu que c'était pour une ceinture à la base. Au mm. final, le combat, il a lieu, mais au final, il n'y a pas de titre en jeu. Mm. C'est sur un autre poids. Ça s'est passé comment justement ce, ce combat face à un ancien de l'UFC parce que c'était quelqu'un qui avait une grosse expérience ouais. et comment tu l'as abordé bah alors euh, on m'a donné euh, de, de base je devais pas combattre sur la carte de juin donc on était en avril euh, fin avril et euh, donc on est déjà à moins de deux mois du combat normalement un combat pour le préparer juste pour atteindre le poids il faut deux mois tu vois mais ce qui était bien c'est que j'étais pas très lourd j'étais assez léger. Euh, parce que j'étais voilà, en forme, je m'entraînais bien et tout, et j'étais sur Paris d'ailleurs. je m'entraînais un petit peu au Factory. Et euh, du coup, j'ai un message de, de la part d'Ares qui me disent que voilà, euh, on aimerait bien te faire combattre sur la carte de juin. Est-ce que tu serais chaud, etc. Et ils m'ont donné d'abord un nom d'un vétéran UFC. Donc c'était pas Efren Escudero, c'était un autre mec. Okay. Euh, un mec qui était super fort d'ailleurs. Il avait perdu très récemment. Donc c'était il y a même pas si longtemps contre Shavkat. C'était qui? Je sais plus son nom. nom. C'était un Brésilien avec un nom compliqué. Okay, je vais regarder vite. Voilà. Me euh, un mec ultra balé. je crois. Il a, été, il a été sorti de l'UFC pour dopage, tu vois, carrément. Ah oui. Donc euh, un petit tank, quoi. Ah oui. Et euh, j'ai direct dit oui. J'ai dit je suis chaud pour ce mec et tout. Euh, franchement, je suis chaud. Et j'ai dit par contre, vu, vu la tête que c'est, moi je veux la ceinture, j'ai dit. Je dis je fais pas ce combat. Surtout que c'est mon quatrième combat. Et j'avais dit... Écoute.. On a un contrat de 4 combats. Si je fais 3 victoires, le quatrième, je veux que ce soit pour la ceinture. C'est ce qu'on avait convenu avec les dirigeants d'Ares. En soi, c'est vrai que ça faisait un peu monter en puissance. C'est un petit peu logique, tu vois. Et ils me disent, oui, pas de souci. Parce que surtout qu'il n'y avait pas euh, énormément de concurrence non plus à l'Ares, tu vois. C'est pas comme s'il y avait déjà un top 10 euh, bien installé. Où il faut Alors, 4, 5 euh, combats pour, assister, euh, pour accéder à un title shot. C'est ça. Quoi. Tu vois, l'UFC encore, euh, si tu me dis qu'il en faut 8, 9, ok mais à la reste vois c'est nouveau et tout donc voilà je dis je veux je trois veux combats et le quatrième que ce soit pour la ceinture pas de soucis machin et d'ailleurs quand j'ai demandé à ce que ce soit pour la ceinture avec ce mec ils m'ont dit oui ils m'ont dit oui est-ce que c'était Michel Prazeres ouais c'était lui ah bien joué, bien joué, as je je vais t'as retrouvé, checker, en fait, quoi. <laughs> as retrouvé. Et euh, du coup c'était ce mec là euh, mais ce mec là, il a dit qu'il ne veut pas combattre. Il a dit que pour être prêt, il a besoin de, de le faire en octobre, le combat. Très bien. Donc euh... c'est quand même largement du temps. Ouais. Donc euh, finalement, la, la reste ils ont décidé de dire, euh, ok, bon, on va trouver quelqu'un d'autre. Mais j'ai dit, bon ok, vous, vous m'avez euh, donné la nouvelle que je vais combattre. Je vous ai dit oui. Vous m'avez hypé pour la ceinture. Maintenant, vous n'allez pas me dire, non, tu ne combats pas pour la ceinture. Donc ils m'ont dit, ok, on va te faire quand même combattre pour la ceinture. Donc d'abord, ils me disent, on va te faire combattre pour la ceinture intérimaire. Parce okay. qu'à l'époque, Abdoul, il avait encore la ceinture, tu vois. <laughs> tu voulais le titre d'Abdoul Abdoul, euh, euh, Abdul, il était bien posé et il avait encore la ceinture. Mais Abdoul, il avait annoncé qu'il... Je crois qu'il avait... C'était déjà annoncé qu'il qu partait au PFL. Donc, normalement, la ceinture était libre. Mais je sais pas pourquoi, c'était un peu bizarre. Mais en gros, il voulait que je combatte pour la ceinture intérimaire, tu okay. vois. Ok. Donc, euh, je dis, ok, vas-y, ça me va, tant qu'il y a une ceinture et tout. Contre un mec. Donc, ils sortent l'annonce sur Twitter. Et euh, les mecs sur Twitter, ils disent, non... Euh, encore un plombier. Et le mec, il avait, je crois, 8-0. C'était un mec d'Amérique de, de latine, tu vois. Mais bon, après, je te mens pas. Là, pour le coup, il y avait vraiment nos matchs. Genre, il avait 8-0, mais je pense qu'il allait vraiment se faire manger, tu vois. Et les gens, ils l'avaient très vite remarqué. Le, le, le fameux encore un plombier. Ouais, le fameux encore un plombier, tu vois. Et bon, là, pour la première fois, les mecs, ils avaient vraiment pas tort. Parce que là, le mec, il était vraiment. Il allait se faire, il allait se faire défoncer, je te, je te le garantis, tu vois. Au bout d'un moment, l'ARES, ils en ont marre. Et je vois un tweet qui sort sans me prévenir rien. Je vois un tweet qui sort. Ouais, euh, si vous vous sentez chaud d'affronter Baki, envoyez un mail à l'ARES. <laughs> <laughs> L'ARES eux-mêmes, ils font ça. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe euh, J'appelle Fernand et tout. Et il me dit, non, euh, c'est vraiment juste pour que les gens, ils arrêtent de dire plombier et tout. Mais le combat, il est maintenu. Et il m'a dit, mais on va essayer de chercher quand même mieux et tout parce que là, les, les gens ils sont pas hypés. Enfin, ils sont hypés, mais tu vois, ils sont déjà sûrs que tu vas gagner alors que le combat il est même pas fait. Ça veut ouais, dire... ça prend pas, on va dire. C'est ça. Et y a, y a pas pire comme sensation que de se dire, les gens ils, savent, ils disent déjà que t'as gagné alors que t'as même pas encore fait le taf. C'est à dire, imagine juste que tu gagnes pas. <laughs> T'es alors... tellement attendu au tournoi que ça, ça te fout une pression. Ou alors juste imagine tu gagnes, mais de manière difficile. Déjà, juste à cause de ça, tu vois. Donc au final, ils ont réussi à trouver un autre mec encore, Efren Escudero. Donc euh... À ce moment-là, je vois, un, il m'envoie un mec euh, sur WhatsApp qui a un score de 36, 36 victoires avec euh, 15 défaites. Donc en vrai, c'est propre. Mais... 50 combats quand même. Ouais, 50 combats. Donc il y a de l'expérience, tu vois. Je vois sur le Sherdog, donc Sherdog, c'est le truc qui répertorie les combats. Je vois sur les Sherdog, je vois des Charles Oliveira, je vois des, des combattants à UFC que je connais, tu vois. Donc euh, je vois que le mec, il a affronté des gros noms. Et alors, je regarde un peu le combat qu'il a fait à l'UFC contre Charles Oliveira. Je vois qu'en plus, c'était une guerre qu'il a fait avec Charlie, Charles Oliveira. Tu vois, ils ont fait vraiment un beau combat. Et, euh, et donc euh, j'ai dit oui et tout. Et, euh, et alors le combat il se fait. Et en fait, le mec, il avait ses derniers combats. En fait, il, il avait pris du poids en fait. Parce qu'en fait, à la base, ce mec c'est un 70 kg. Ok. Mais parce qu'il a pris du poids, il allait affronter en 77. Exactement. Sauf que du coup, on fait un combat pour la ceinture, tu vois. Donc euh, le combat il est fait pour la ceinture. En plus, ils ont enlevé le truc intérimaire. Et ils m'ont dit non, non, on te remet la vraie ceinture du coup. Je suis hypé de ouf. Je me dis vas-y. Combattant vétéran UFC. Premier, titre, premier euh, titre en ligne de mire. Exactement. Parce que même au 100% fight au HFC, j'ai pas pris de titre, tu vois. Donc je me dis, vas-y, petite ceinture, tout, on va être bien avant l'été. Et Efren et, et Escudero, il dit à la reste qu'il pourra pas faire 77 kilos. Il dit que voilà, si vous voulez que le combat se fasse, euh, il a dit, moi je suis pas là pour me taper la honte à la pesée. Si vous voulez que le combat se fasse, c'est simple, mettez-le à 81. Moi je dis bah vas-y euh, pas de souci moi euh, ça me fait moins de poids à perdre tu vois <laughs> c'est un peu moins chiant pour la prépa mais par contre pour le titre j'ai voilà. dit oh non mais en vrai j'étais bien tu vois et ils me disent par contre du coup il y a pas la ceinture et là ça ça m'a dégoûté ça ça m'a un peu saoulé mais euh, vu que c'était toutes ces annonces très ra très rapidement genre en, en deux jours on a eu toutes ces nouvelles bah en vrai ça faisait déjà des va-et-vient émotionnellement depuis un petit moment donc en vrai je m'en foutais tu vois donc, euh, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, tant pis, pas pour la ceinture, au moins c'est un gros nom. Je prends le combat et au final, euh, performance grave facile. C'est ce que j'allais dire, il s'est bien passé le combat, voilà. tu lui as roulé dessus. Voilà. J'ai été méfiant quand même parce que le mec, 50 combats, tu vois, j'ai pas voulu faire des trucs. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je lui mettais des balayettes, j'allais pas sur lui. C'est-à-dire, je mettais une balayette, je lui disais, vas-y, relève-toi. Et je lui remettais encore une balayette, <laughs> et je lui disais, vas-y, relève-toi encore. Parce <laughs> que si je te viens dessus, ça. Euh, je, me... je me suis dit, tu vois, un gars qui a 50 combats, il suffit qu'il a une technique bizarre et c'est dangereux tu vois donc, euh, j'ai pas pris de risque, mais voilà, j'ai gagné ce combat vraiment facilement. C'était un combat facile. Euh... Dis-moi si ouais. je me trompe, mais c'est un des combats, je crois, qui a le plus impressionné. Enfin, en tout cas, depuis le début de ta j'ai l'impression que c'est celui qui a eu un gros effet auprès du public. Même là, dans le chat, ils en parlent. Bah, c'est vrai que les gens, ils ont, ils ont... Ils ont vu aussi qui est Baki sur ce combat, tu vois. Mais euh, je... je pense pas que c'est celui qui a le plus impressionné. Je pense que c'était Marie sardi qui avait le plus impressionné. C'est vrai que c'est une Marie Sardy, c'était l'opening, tu vois. C'était l'opening, et surtout avant Marie sardi les gens, ils savaient même pas que j'ai boxé. Genre ils se disaient c'est juste un gars qui fait du judo, qui emmène au sol et qui tape au sol. Ok. Et du coup là on a vraiment vu un mec qui a une science de la boxe contre Marie Sardi, qui envoie des front kicks pleine tête, qui envoie des jabs, qui fait des déplacements, des esquives à la Canelo. Donc euh, le mec, les mecs ils ont vraiment kiffé ce combat. Je me rappelle que sur Twitter ça avait fait du bruit tu vois. Bah là ils en parlent aussi, hein. il y en a il m'a dit ouais non c'est Marie Sardi, c'est là j'ai compris et tout. Ils sont plusieurs à le ouais, dire ouais. dans le chat. Okay. Ça okay. fait plaisir les gars, merci beaucoup. Ah ouais tu vois on a des gens qui suivent hein, ouais, ici, hein, des vrais, suivent. de vrais ultras. On vrais fait ça ultra. pour vous les refs. <laughs> c'est fabuleux cette vieille. Alhamdoulilah. Un autre combat pour le titre vacant des 77 kilos est du coup organisé contre Félix Klinkhammer, je crois, que, ouais. qui est aussi invaincu. Mais cette ouais. fois, c'est toi qui rates justement la, la pesée d'un kilo. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais pour le camp de Hamzat à Dubaï. Euh, pendant que je suis en train d'aider euh, Hamzat dans sa préparation. Euh, j'ai une annonce. Donc on me dit, euh, voilà, est-ce que tu serais chaud pour, euh, pour le 17 novembre, Félix Klinkhammer J'ai dit, ouais, je suis chaud parce que Félix Klinkhammer, c'est un, un gros client. Et c'était un client qui devait entrer à l'UFC. Donc il devait faire les Dana White Contenders. Il devait rentrer à l'UFC. Donc le fait de le battre, tout de suite, ça montre à l'UFC que vous vouliez prendre un mec. Mais regardez, moi j'ai battu ce mec. Donc vous, encore mieux, vous allez me prendre moi, tu vois. Donc euh, j'ai tout de suite dit oui. Et euh, en plus, c'était un combat où lui, il avait 9-0. Et moi, j'avais 8... Non. Ouais, lui, il avait... Il avait... Non, il avait 9-0. Et moi, j'avais 8-0. Donc, euh, combat combat invaincu. Le mec, il est super fort au sol. Euh, il a un style grave euh, relou debout. Tout de suite, je me dis... Ça, déjà, c'est un combat qui va, qui va, qui va me permettre d'avoir un, une, une vraie expérience en termes de niveau. Donc, le mec, il est bon. Ouais. Et surtout, de, une confirmation de plus. Après, le seul truc un peu relou avec euh, Félix kammer c'est que c'était un gars, un gars trop, 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 trop discret. Ça veut dire que le combat... Même si c'était un combat de ouf, il n'était pas hypé en vrai, tu vois. Ah ouais Enfin, il était hypé parce que Baki était dessus, mais c'était pas un combat qui était hypé par rapport à ce que ça vaut, parce que c'est vraiment un combat de fou normalement, tu vois. D'accord. Genre lui, ses réseaux, c'était plutôt tranquille et tout. Ouais, il a bah de... il avait, il avait moins d'abonnés que mon préparateur physique Nabil, tu vois. Sans dire, <laughs> tu vois. Alors que c'est un, un combattant qui est invaincu. Donc. Euh... Ouais, effectivement, il manque peut-être un peu de reconnaissance dans ce qu'il fait. C'est ça. C'est un petit peu dommage parce que pour moi, ça c'était un combat de ouf. Et j'avais vraiment hâte de, de le faire J'avais fait une de mes meilleures préparations pour ce combat Et euh, d'ailleurs j'avais fait une préparation tellement bonne Que, bah, que bah, du coup euh, pas, je me suis trop concentré en fait, sur l'entraînement okay. Plus que sur la perte de poids Même si j'ai quand même tout donné sur la perte de poids Et euh, en fait le truc je pense aussi ce qui a joué C'est le fait que je suis rentré un peu tard de Dubaï Et du coup j'ai pas eu le temps de beaucoup descendre sur la partie euh, euh, déficit calorique ouais. Donc il me restait 7 kilos euh, la veille à sortir, Ouf. ce qui est beaucoup, mais j'ai déjà sorti 5, tu vois. Donc je me dis, sachant que quand j'ai sorti 5, c'était dur, mais je n'étais pas à ma limite. Donc je me dis, vas-y, 7, en vrai, je le fais. Et je me suis aussi dit, et si je réussis 7, c'est que vraiment, euh, je sais que je suis capable de sortir 7, tu vois. Donc euh, on le fait, on le fait, on fait, on, en, on attaque les bains chauds, c'est dur, on est là, on est déshydraté, tout, les pro tout le processus, processus se passe bien. On a déjà enlevé 4, 5, on enlève le 6ème, on est au bout de notre vie. On, nous on, on se dit, vas-y, encore 1 kg, c'est dur, mais on essaye, on essaye, tu vois. Et j'ai pas bu depuis je sais pas combien de temps. Et là, on voit qu'au bout de 2-3 heures de cutting, 100 grammes. Ouf Donc 2-3 heures de souffrance, 2-3 heures de souffrance horrible, tu vois, où tu vis l'enfer pour sortir 100 grammes. Normalement, en 2-3 heures, tu peux déjà sortir 3-4 kilos. 100 grammes. Il nous reste 900 grammes à sortir. On retente, la balance elle bouge même pas. Deux heures après, la balance, balance elle bouge même pas. T'avais atteint une sorte de limite dans le corps. Ouais. Et à chaque fois qu'on fait un bain chaud, on me, tu on te repose sur le lit après pour, pour te mettre les serviettes pour que tu transpires. On me pose sur le lit, mais en fait moi je croyais qu'on m'avait posé par terre. En gros, carrément perte de. Ouais, T'étais dans On était, n'était on plus là, tu vois. Et euh, du coup, euh, au bout d'un moment, euh, mon, mon, mon préparateur et mon coach Eddie, mon grand frère, ils ont dit là, ah, c'est trop, tu vois. On dit, ils ont dit. Là c'est mort on peut, on peut pas Ils ont carrément dit même le combat on peut pas le faire en fait Genre ils avaient trop Ils étaient trop inquiets par rapport au fait que mon cerveau était Parce qu'en fait quand ton cerveau il est déshydraté Tu peux pas Tu peux pas combattre Parce qu'en fait si tu prends un petit choc même si c'était un truc qui devait rien faire à la base Vu que ton cerveau est déshydraté tu tombes KO Donc juste à cause de ça euh, C'était déjà dangereux Mais on s'est dit vas-y on le fait quand même On le fait quand même c'est un combat euh, Tu vois il, il, il vaut le coup et tout et on appelle, on, on leur dit Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'arranger avec, euh, avec, euh, avec l'adversaire pour 900 grammes Si je dis pas de bêtises, tu me corriges pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément. Je crois ouais. que du coup, ça peut soit baisser un peu le cachet ou alors truc, mais des arrangements sont possibles. C'est ça. Donc, euh, nous, on a, à la base, on voulait quand même que ce soit pour la ceinture. Donc, on leur dit Vas-y, il n'y a pas moyen de garder la ceinture, je lui donne 50% de ma prime, euh, tu vois. Et donc, euh, déjà, l'organisation, or, elle me fait comprendre tout de suite que. Déjà, t'as raté le poids, la ceinture c'est foutu. Donc, dans tous les cas, on peut on peut-être peut faire le combat si le, en, en face, ils sont chauds. Mais la ceinture sera plus en jeu pour toi en tout cas. Donc, on propose à, à Félix euh, voilà, 50% de notre cachet, comme, prévu, comme, comme on fait d'habitude. Et on lui propose aussi que si lui il gagne, il a la ceinture. Mais que si moi je gagne, j'ai rien. Donc. Euh... Sévère quand même. Ouais, c'est sévère, surtout que du coup, on s'est réhydraté entre temps. Il y a eu une vidéo où on se pèse, etc., qui a été montrée, je pense, à l'équipe à Félix, pour montrer qu'il n'y avait pas de conneries niveau poids, tu vois, pas qu'il y ait de feinte et tout. Et au final, je crois qu'il y a eu des trucs comme quoi Félix, il disait, « Non, euh, moi, je le crois pas. Je ne pas... crois pas qu'il a raté de 900 grammes. J'ai vu Baki, il faisait 90 kilos quand je l'ai vu. Donc, » euh, Donc voilà. Après, je... ça se comprend, c'est un gars, il prend sa carrière très, très au sérieux. Ouais, donc de son point de vue, de c'était… De... Il sait que le RS c'est géré par les mêmes gars que du Factory, ouais. donc… Euh... Il est, il est méfiant, il a raison d'être méfiant euh, Et vraiment il n'y a rien à dire sur, sur lui il a, il a fait tout ce qu'il fallait, il a fait le poids et tout Donc euh, là c'était totalement de ma faute tu vois. Un peu dégoûté au final Un peu dégoûté parce que j'avais fait une préparation de zinzin Mais euh, ouais c'était un peu la période euh, Première période un peu un peu nulle dans, Depuis que j'ai commencé le MMA quoi Mais au final est-ce que tu te dis pas Après ce que tu as subi que Le cutting vas-y des fois Ouais forcément c'est le moment où je me suis dit vraiment le mec qui a inventé le cutting je le hais quoi. C'est pas sain au final. C'est pas sain et ça te permet de pas enchaîner les combats. Ça veut dire là regarde, je viens de combattre il y a pas longtemps, bah, le combat il m'a pas blessé en soi. J'ai pas eu de blessure, j'ai rien eu bah, en vrai, je pourrais recombattre le lendemain. Mais vu que du coup tu dois refaire, un, refaire une jet, refaire un cutting et tout, mais bah, tu peux pas. Déjà parce que ton corps après, un, après avoir fait un cutting, il a besoin de, de temps parce qu'il va, va stocker l'eau encore plus que d'habitude. Euh, D'ailleurs, c'est ce moment-là souvent on voit les combattants, ils ont des grosses joues, ils prennent du poids et tout. C'est parce qu'en fait, après le cutting, ton, ton corps il a tellement perdu de l'eau qu'il va stocker toute l'eau qu'il a. Ok. Il va dire, ok, putain, euh, j'ai vu pris... que je risque de me re retrouver ouais, en reste. Je, je comble. Je stocke, je stocke, je stocke. Stock, stock. Et c'est une période qui est longue. C'est aussi une période euh, difficile parce que tu as développé des TCA aussi. Donc, euh, tout de suite se remettre dans une préparation, entraînement, diète et tout, c'est chaud, tu vois. Donc, euh, forcément, c'est pour ça qu'on voit que les combattants en vrai euh, ils combattent deux à trois fois par an. C'est intéressant que tu parles des TCA, ces troubles du comportement alimentaire. C'est que du coup, vu que t'as mangé, pas mangé, puis d'un coup t'as beaucoup mangé, à un moment beaucoup moins, est-ce que c'est vraiment un truc qui euh, affecte Ça affecte énormément. Les TCA, normalement, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui arrive aux gens qui se privent. C'est dû à de la frustration, tu vois. Et euh, le truc, c'est que nous, les combattants. On se frustre, mais de ouf. C'est une diète draconienne qu'on tient. Et vu qu'on la tient parce qu'on a une raison de la tenir, parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'un mec normal qui fait une diète trop abusée, il va la tenir peut-être une semaine, une semaine et demie. Et vu que c'est trop dur, il arrête et du coup il remange. Ça fait des petits TCA. Tu vois, ça veut dire le mec pendant une semaine il s'est privé. Du coup, ça fait des petits TCA où le mec il va abuser après, du coup pendant cinq jours, il va se sentir coupable. Après, il va repartir sur une diète. Etc. ok Ça, c'est des petits TCA. Mais nous, les combattants, vu qu'on n'a on a pas le choix de tenir cette diète draconienne, on fait, on fait une diète de zinzin pendant deux mois c'est à dire que <laughs> les tc acta après c'est plus, plus du tout les mêmes genre. Genre. ça veut dire que pendant un mois un mois et demi as, ton rapport avec la nourriture il a totalement changé après le combat c'est pour ça que tu vois des mecs qui reprennent trop 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 de poids moi encore ça va tu vois mais il euh, y en a ils reprennent énormément toi tu serais pour si un hein, jour le cutting c'était interdit d'une oui, manière ou d'une autre genre euh, peser le jour du combat ou une connerie comme ça Peser le jour du combat, je pense pas que c'est la solution parce que du coup les mecs ils vont cuter quand même et juste être moins, moins en forme tu vois. Mais euh, ouais je pense il faut trouver une solution clairement. C'est un truc de ouf ça. On se rend pas compte à quel point c'est dur tu vois. Est-ce que au final ce, ce sera, ça restera une déception pour toi de pas avoir pu avoir un titre à la RS Non parce que ça a jamais été un objectif en soi. D'accord. Ça a jamais été un objectif en soi. Ça a toujours été euh, euh, un petit détour que je pas vraiment un petit détour mais un petit truc que je pourrais récupérer sur la, sur la route. Mais ça n'a jamais été euh, un objectif d'avoir la ceinture d'Ares ou d'avoir quelconque ceinture euh, à part celle de l'UFC. quoi. Parce que fin 2023, c'est aussi l'occasion pour toi de battre un peu le fer sur les réseaux avec euh, Cédric Doumbé. On va parler de votre combat, mm. mais selon toi, ça part d'où cette opposition En vrai, ça part d il y a très longtemps. Je, à l'époque où j'ai fini mon combat contre Attila Kobas, il euh, y a des mecs qui m'ont dit voilà, c'était le moment où Cédric il a fait son premier combat euh, en MMA et ils m'ont dit voilà est-ce que toi tu pourrais affronter Cédric en MMA Cédric qui était déjà connu à l'époque parce bah qu'il oui. était du il était du champion de du globe et, et, et tout machin. Ça et moi j'ai dit bah en MMA il y a pas de souci tu vois je l'emmène au sol c'est réglé. Et par après carrément il y a RMC qui ont relancé le truc en me posant les questions. et c'est le, le moment où j'ai la fameuse phrase ouais moi Cédric je le prends facile tu vois. Et, euh, et du coup euh, du coup lui, par après l'autre il a répondu parce que à l'époque il me répondait pas et moi d'ailleurs j'avais jamais attaqué, c'était des gens qui attaquaient euh, en disant est-ce que Baki tu prends J'avais juste dit oui tu vois. Mais là du coup il m'a répondu parce qu'on commençait aussi à être un peu plus connu avec RMC et tout ça. Non. Et il avait fait une vidéo où il mimitait avec les yeux, tout ça, et qui avait fait rire les gens. Et ça s'intensifiait, tu vois. Toujours okay. un peu plus, toujours un peu plus. Les gens ils avaient vraiment envie de ce combat. Moi, nous notre équipe, on n'a jamais décliné l'offre, on a toujours dit on est chaud. Bizarrement, euh, chez eux, il y a toujours eu un problème, tu vois. On... Le combat il s'est jamais fait, mais ça continue à parler, à parler, à parler. Jusqu'au moment où on arrive dans un pic où Cédric Doumbé il est à son prime après le chaos qu'il a mis sur Jordan Zebo. Donc tout le monde, la France entière euh, est du côté euh, Doumbé, tu vois. Alors que vois, moi, moi, les gens avant c'était 50-50 un peu. Après le chaos contre Jordan, les gens ils étaient en mode 80-20. 90-10. Ah, C'était son pic de popularité. Et ça. puis aussi parce que franchement, euh, tout, 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 tout l'engouement qu'il avait réussi à créer autour de ce PFL-là, mmh. le combat, l'avant-combat, c'est dinguerie. Dans la foulée, moi je rate la pesée. C'est-à-dire que moi je suis à mon, à mon pire moment. Lui ouais. il est à son meilleur moment. le gars il essaie de me rabaisser. Il... Les gens ils sont là, ils font les malins, machin, machin. Carrément, il y avait un, il y avait un moment où ou sur TikTok ça se foutait de moi tu vois je voyais sur TikTok, ça faisait des TikTok en mode Baki va se prendre un KO, machin machin et un jour le combat Cédric Baki il est annoncé ouf et voilà on en arrive là aujourd'hui est-ce que de ton côté ce que j'allais dire t'étais directement chaud pour le combat ou y a eu toute une réflexion à un calcul autour de cette opportunité mais en fait de ce que tu me dis c'est un truc qui en fait était dans les cartons entre guillemets depuis un moment bah en gros ce qui se passe c'est que du coup après avoir raté ma pesée moi mon père il me dit écoute là t'as enchaîné beaucoup de combats ouais T'as enchaîné beaucoup de combats euh, à l'arrêt. T'as fait 9 combats déjà. Il m'a dit là, on va laisser un peu récupérer ton corps. Tu vois, le métabolisme, tu vois, tout ça, toutes ces diètes, tout. On va laisser un peu récupérer. On a du coup la pesée, elle était ratée en novembre. Tu vois, il m'a dit là, le Ramadan, il vient de finir à pas longtemps, donc euh, fin avril. Il m'a dit, on va faire le Ramadan tranquillement et tu reviendras combattre juste après le Ramadan. Ouais, ça fait six mois de pause. Plus Exactement. Moins. Il me dit, comme ça, tu t'entraînes bien, tu progresses encore au en niveau. Et aussi, surtout, ton organisme en termes de nourriture, tout ça, il se remet bien. Tu vois, les TCA, ils disparaissent. Euh, toutes ces conneries disparaissent. Ton métabolisme, il est nouveau d'attaque. Parce que ton métabolisme, quand tu fais une diète, il baisse, tu vois. En gros, on voulait on se remettre à neuf, tu vois, mettre une petite pause à la machine pour repartir de plus belle. C'est intéressant de faire ça en vrai bah à 22 cool. ans. À 22 ans, c'est vrai que t'as encore le temps. Bah oui, c'est ça. Et donc, euh, on décide de faire ça. Mon père, il en profite du coup pour... Euh, parce que nous, on travaille sur une maison en Tchétchénie, tu vois, on fabrique notre maison. Mon père, il dit, moi, je vais partir un petit peu en Tchétchénie, entraîne-toi bien ici. Mon père, il part en Tchétchénie, il travaille là-bas, il part, euh, il était parti pour un bon moment, tu vois. Et euh, au bout de deux semaines, après qu'ils sont partis, moi, je suis euh, posé euh, au restaurant avec, euh, avec mon grand frère et tout, on était venu sur Paris pour, euh, pour une, une vidéo et tout. Je suis posé au restaurant et je reçois un appel de, de, du coup euh, de Fernand, celui qui gère... Euh, Ma carrière, management factory, tu vois. Ils me disent voilà, on a eu une proposition du PFL. Euh, Est-ce que tu serais chaud d'affronter Cédric Doumbé Alors moi directement, je dis encore heureux que je suis chaud. <laughs> pas d'hésitation. Euh, je te jure, je lui dis, t'avais même pas besoin de m'appeler, tu vois. Et le gars il me dit, ok et tout, on se fixe d'abord. D'abord il me dit un prix, je dis non. Là, là tu te fous de ma gueule et tout, je dis non. Le combat, il est, c'est un combat, il est beaucoup 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 IP. Euh, euh, je lui leur ça en minimum. On leur a donné un minimum. Euh, donc, c'était 100 000, tu vois. On leur a donné le minimum. Euh, il, fermant il m'a dit, « Ah, ça va être chaud quand même. Hein. » euh, Je lui ai dit, « T'inquiète. » Je lui ai dit, « Le PFL, euh, tu vois. » Ils ont lui, les sous. Ils ont les sous. Deux jours plus tard, le PFL, ils disent, « Ouais, on est chaud. Voilà, » C'est pas hyper difficile ouais, à convaincre. Hein. Pas difficile, ouais. Donc, deux jours plus tard, euh, le PFL, il, il est chaud et tout. Et euh, du coup, je dis, euh, « Et du coup, euh, Dumbé, lui, il est chaud ?» Et ils me disent... Euh, ils me disent quoi Ils me disent, euh, on discute avec lui, mais normalement c'est bon. Ils me disent ça. Okay. Et alors, moi, je sens que le normalement c'est bon, il me fait peur. Je me dis, pff, et j'espère il, il nous sort pas un truc. Parce que tu sais, ça avait déjà un an et quelques qu'on discute du combat et tout. Et s'il se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Et donc, moi, je me dis, non, non, Si, si le, il a dit normalement c'est bon, c'est que faut que je fasse un truc. Ouais, c'est que c'est pas, bon. pas totalement bon. C'est que c'est pas totalement bon. Donc euh, mon grand frère euh, et, et mes proches ils mettent des petites stories. Tu vois c'est pas des gars qui sont très connus. Ils mettent, ils mettent en story euh, 7 mars euh, bagarre machin machin qu'on va à tout. Et en fait ça a fuité. <laughs> ça a futé. Il y a des médias qui commencent à dire. Tu sais, je le dis à quelques médias. Je dis, ouais, t'inquiète, le 7 mars, euh, moi j'ai signé. Tu vois T'as ça... <laughs> lâché des petits. Exactement, des, petits, des petites pierres des comme petites ça. Des <laughs> Oh <le gamin. rire> Et du coup, euh, tu vois carrément la sueur, ils mettent un poste Doumbé officiel. Genre ouais. les mecs, ils sont là, les gens ils disent, mais comment ça officiel Donc euh, la sueur, carrément, ils mettent Doumbé, c'est officiel. Ouais. Euh, machin, machin. Dumé, il met un, un tweet, il met Ouais, comment ça, officiel euh, Moi, j'ai rien signé, j'ai rien reçu. Et alors, euh, là, tu sais, on, on comprend qu'il essaie de nous la faire un peu à l'envers. Ouais, ouais. En mode, il a rien reçu, tu vois. Et alors, euh, je dis quoi Je dis euh, Moi, j'avais rien dit. Euh, a... En gros, ils, ils ont changé le truc en disant En tout cas, c'est signé du côté Baki. Donc là, le gars, il peut plus se défiler, tu vois. Ouais. il peut plus se défiler. Parce que ça dit publiquement que toi, t'es chaud. Ouais, exactement. Ouais, es là. Nous, on est là. Et le mec, soit t'acceptes le combat. Et du coup, tu le fais, soit, as... soit tu la fermes à tout jamais, tu vois ce que je veux dire et... et le mec, il a décidé de pas la fermer à tout jamais, donc euh, il a décidé d'accepter le combat, mais une semaine plus tard, en mode ⁇ cette fois, j'ai vraiment reçu le contrat, machin, à Correna, machin, machin. ⁇ Ok, du coup, let's go, et, et voilà, le combat, il s'est fait. Les semaines en amont, tu subi une grosse pression, entre guillemets, sur les réseaux de, de sa part, des gens, mais tu te laisses pas faire, tu réponds, que ce soit en ligne, Dans l'interview de la veille et tout. Raconte-nous cette période et comment tu l'as vécu alors c'était une période, euh, bah du coup les gens ils étaient beaucoup plus pour Doumbé tu vois Parce mmh. que Doumbé il vient de pondre une performance qui est historique carrément mmh. Le mec il met un KO en 9 secondes en le, en le prévoyant en plus De l'autre côté t'as Baki qui rate sa pesée etc euh, du coup les gens ils se moquent un peu plus de lui et tout Et, et moi je suis un gars du coup, les gens qui connaissent pas Ils peuvent se dire ouais Baki euh, il met pas des KO en, en 9 secondes donc il est, il est moins impressionnant etc mais les connaisseurs quand même ils savent que tu vois, il y a des il y a vraiment quelque chose chez Baki, tu vois. T as ton style. J'ai mon style, j'ai un style de combat qui est efficace, je sais finir les gens. Je suis un, je suis un bon finisseur, juste que je prends pas de risques, tu vois dans mes combats. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas pris de risques et je compte en prendre et me donner beaucoup plus une fois que j'aurai atteint l'UFC. Très bien. Tu ah c'est intéressant C'est intéressant ça, tu parce vois. que quand tu perds en dehors de l'UFC, c'est vraiment très moche, tu vois. C'est très très moche parce que c'est en dehors de l'UFC que peu importe qui t'affronte, les gens ils vont dire que t'affronte des plombiers. Par exemple, Félix Linkhammer, alors que c'est un mec qui est très très fort, les gens ils disaient que c'était un plombier. Alors que tu alors me disais, que le disais, le gars 9-0, lui aussi Moi je te dis, pour moi, un Félix Linkhammer, il était pour moi, à mes yeux, encore aujourd'hui, plus dangereux qu'un Cédric Doumbé. Tu vois okay. ce que je veux dire okay. Donc euh, le mec, il, est, il était super fort et tout. Donc euh, pour moi, je préfère prendre des risques contre des mecs qui en valent la peine. T'as pas envie de perdre contre un mec que les gens ils disent c'est un plombier. T'as capté Donc euh, moi j'ai toujours eu un style très dominant. Donc je gagne vraiment chaque seconde de combat Mais voilà je prends mon temps pour gagner Et du coup les mecs ils faisaient l'opposition Ils connaissent pas trop Ils disent ouais l'autre il couche des mecs en 9 secondes L'autre il gagne à la décision Donc Cédric va l'allumer Premier round c'est réglé L'autre Cédric il en rajoute une couche Il dit ouais les gars je vous annonce Premier round je le fume Machin machin Tous les sens ça parle Au début je suis un peu silencieux tu vois Donc juste au moment où il y a l'annonce du combat Je dis que ce mec je vais l'envoyer à la retraite et que là, il s'est surestimé. Ouais. Donc c'est le, le seul tweet que je mets. Et après silence radio, je m'entraîne à fond. Je m'entraîne à fond, je m'entraîne à fond. L'autre, je pense, qu'il s'entraîne à fond aussi parce que même si il se la raconte un petit peu, il savait que c'était un combat sérieux. Donc euh, des deux côtés, ça s'entraîne, ça s'entraîne. Un côté est un peu plus silencieux que l'autre. Et à un moment, je commence tranquillement à répondre. Genre je réponds, mais genre toujours avec une petite stratégie de, vas-y euh, parle mais tu vas voir. Tu vois. Et les gens, ils, en vrai, ils commencent à kiffer on avait vraiment l'impression d'un mec qui était euh, un peu trop sûr de lui tu vois ouais, ouais. il parle pas beaucoup mais il prépare quelque chose et au final en vrai la tendance avant le combat elle s'est même un peu renversée tu vois bah moi j'ai trouvé notamment avec le truc du face à face où t'as répondu non moi j'ai entraînement et tout ouais. c'est là où j'ai vu j'ai ah peut-être un truc là y a tu peut vois peut-être un truc ouais j'ai l'impression que c'est à partir de là je sais pas si vous êtes d'accord dans le chat mais c'est là que je me suis dit ouais c'est vrai que ça s'égalise un peu c'était là et aussi même sur Twitter un petit peu quand, quand il essayait de me critiquer, toujours les bonnes réponses. Tu vois, je répondais pas beaucoup. Je répondais à 1 tweet sur 10. Et quand je répondais par contre, chaque fois, il y avait un ratio, quand même. Alors que lui, euh, il, tu vois, il avait 4 quatre, quatre fois plus d'abonnés et tout. Donc, euh, c'était une, une période où j'ai vraiment bien géré les réseaux. Et la semaine du combat aussi, on a super bien géré. Le face-à-face, qu'on a bien géré. Carrément, les gens, ils ont commencé à retourner leur veste directement au face face-à-face. Et après, on a eu ce premier... Euh, ce, ce premier combat où tout le monde a changé, leur retourné leur veste quoi. Avant de discuter du, du, du combat purement, on a parlé de la préparation médiatique et un petit peu de l'impact, la préparation physique et game plan parce que sportive on va dire plutôt. Mm. C'était est, comment Est-ce que a, vous avez avec ton équipe, je suppose, euh, et, et tous ceux qui t'entourent préparé un truc bien précis Vous aviez des scénarios Vous aviez une volonté précise dans le combat Est-ce que tu trouves que ça a été respecté C'est comment alors, on a, on a préparé, euh, on, a, on, a, on a analysé à plusieurs, donc euh, chacun un peu de leur côté. Tu vois, j'ai mon, mon coach d'anglaise Mourad, il a analysé un peu les, les patterns en anglaise. Euh, Fernand qui analyse les patterns en MMA. Des mecs qui analysent un peu les patterns sur les parties sol, comment il s'évade au sol, comment ils utilisent la cage pour pas tomber, etc. Donc, euh, on, a, on a eu une grosse analyse. Et il faut savoir que moi, malgré que je sois un combattant, tu beaucoup de combattants ils, ils, ils délèguent le truc d'analyser et ils font le combat. Moi, je suis vraiment aussi un mec qui analyse énormément. Et donc, moi, j'ai fait vraiment une grosse partie euh, du travail d'analyse euh, chez moi, ouais. sur mon ordi, euh, sur Discord avec mes potes, tranquillement. <rire> <rire> voilà, Comme si je jouais à LOL. <laughs> exactement. On stream le combat et, et on regarde, on regarde, seconde par seconde. On, on met des pauses, on passe en 0,25. Et voilà, on analyse bien, tu vois. On passe nos soirées à faire ça. Et euh, on commence un peu à comprendre son jeu. Il a un jeu qui est assez simple, très compliqué à voir venir, mais assez simple. Ça veut dire que quand tu ne tu sais pas. Ça peut être surprenant, tu vois. Ouais, ouais. Mais nous, on a, on a bien analysé, on était complètement prêts. On est aussi allé voir très loin dans les anciens combats pour voir s'il n'y avait pas des trucs qui pouvaient sortir de je ne sais où. Ouais, ce que tu disais, genre le genre de choses qui peuvent sortir, euh, genre dos mur ou exactement. quoi, parce que un truc qu'il sait faire mais qu'il n'a pas mis depuis exactement. longtemps. Exactement. Tu sais, parfois, un, un, un mec, quand il gagne souvent, souvent avec la même stratégie, bah, on peut se dire que sa stratégie unique, c'est ça. Mais en fait, c'est que quand tu le mets en position de, de mec qui perd. Peut te sortir un coup que tu savais pas qu'il savait faire, mmh. donc on est allé voir loin dans ses anciens combats et on a vu des choses formidables chez, ce, chez Cédric, tu vois, des, des high kick jambes avant, des trucs, tu vois, tu savais pas qu'il savait faire ça le mec, et en plus il aimait vite et tout, donc tout ça c'était bon à savoir, donc on sait qu'il est capable de faire ça, bien sûr. On reste surtout concentré sur ce qu'il fait souvent sur ses derniers combats, donc euh, mettre sa petite tête en avant euh, pour envoyer son overhand, c'était bien calculé chez nous de notre, de notre côté. Et euh, on a vu aussi qu'il attrapait super bien les jambes, tout ça, tout ça. On a vu, vu qu'il savait quand même bien défendre la lutte, okay. etc. Donc euh, tout était pris en compte. Tu vois. Et euh, ça nous a permis d'arriver au combat, de faire une préparation aussi euh, adaptée à, ce, à tout ce qu'on a vu. Et d'arriver au combat avec une stratégie très, très, très complète. Okay. Donc on était prêt à tout ce qu'il pouvait faire. Et tu t'as bien vu, il n'a rien pu faire, en fait. bah En vrai, il n'a pas pu exprimer son truc. Moi, tu vois, qui, qui te connaissais parce que j'avais regardé, mais franchement, je ne m'attendais pas à te voir aussi prêt Moi, je trouve c'est le mot, tu vois, tu étais mmh. prêt. Mmh, mmh, mmh. Et c'est là où je pense que, du coup, tu avais fait les choses bien ces semaines avant. Mmh. Parce que le jour J, dans la cage, bon, même si, tu vois, il y a eu round 1, round 2, et du coup, c'est pas allé jusqu'au bout. Bah, à minima, tu étais vraiment ready ouais. de fou, tu vois. Ouais, de ouf. Et ça se sentait. De ouf. Et le mec en face, il était, enfin, il était aussi près de ouf. Hein. Je pense qu'il a vraiment fait une préparation de ouf euh, pour ce combat. Et euh, après, il y a aussi l'aspect pression que j'ai super bien géré. C'est-à-dire qu'il y, y en a beaucoup. Euh, leur argument pour dire que Baki, allait perdre, c'est que Cédric, il a déjà combattu à, à Bercy, à la Coréana. qu'il a déjà l'expérience il, il des, des gros oh. rendez-vous. C'est ça le terme qu'ils utilisaient. Mmh. Et que Baki, il est trop jeune. Il va être impressionné par la foule. Il, il va perdre son sang-froid. Il va perdre. Mais au final, en vrai, si tu regardes un peu, quand tu regardes un peu les entrées, les moments où on se, où, où le combat commence, le petit face à face, tout, même à la conférence de presse, même à la pesée, en fait, tu vois que je gère super bien la pression. Et ça, moi, c'est quelque chose que je savais chez moi. Je okay. sais chez moi que je gère bien la pression. Et j'étais tellement à l'aise sur ce combat, je sais pas pourquoi, mais je, pense pense j'ai encore mieux géré que d'habitude. D'accord. C'est-à-dire que là, j'ai carrément ressenti encore moins de pression que pour mes tout premiers combats au HFC, dis-toi. Ok. Ah, c'est intéressant comme truc ça. Ouais. L'expérience aussi un peu. L'expérience aussi, ouais. Et eh ben, on verra si cette expérience euh, se répète en parlant de peser le cutting cette fois. Ah, bah forcément. Du coup, là, mon père, il m'a mis directement des ultimatums. Hein. <laughs> là, les ultimatums du daron, il euh... n'y a pas eu, eu d'aller-retour à Dubaï. Je, là. Je, lui ai, je lui ai dit, papa, faut que tu rentres, faut que tu rentres de Tchétchénie. Là, on a, on a moyen de gagner un bon chèque en, en tapant, en tapant quelqu'un. Il m'a dit, bon, ok, on rentre. Mais il a dit, par contre, si la semaine du combat. T'as plus que 3 kilos Moi il a dit Moi j'annule le combat Ça veut dire C'est oh. pas le PFL Ah non non non, non C'est le papa Il prend il prend le téléphone Il appelle Il appelle Le, le, le factory Il dit ouais annuler. Et Moi je connais Je peux pas désobé, désobéir au, au papa Donc euh, Je me suis arrangé Pour être au poids Et au final On a eu Juste 2 kilos à cuter Ok Donc, Donc ça s'est fait on, en douceur on, Tranquillement À yeah. l'aise Carrément j'ai pu jouer À Fort Honor euh, Après n'y a pas eu là les 100 grammes, les 12 serviettes. Tu Il sais, y a eu mais léger. Ouais, très léger. Et tu sais d'habitude après, euh, après avoir fait euh, le cutting, quand, quand je réussis, j'arrive pas à dormir de toute la nuit parce que je suis trop déshydraté. Là, vu que c'était tellement léger, bah, je te promets, euh, j'ai pu j'ai pu passer la soirée encore après à, à jouer à l'hôtel tranquillement avec mes potes quoi. La question, tu vois, on... je veux revenir sur un truc qui, qui, qui va faire aussi un peu écho à toute la pression médiatique et tout. Euh, le jour de la pesée, de l'interview, vous étiez en face à face, etc. Euh, comment tu l'as vécu euh, tout ça Est-ce que c'est le combat a commencé à se jouer dès ces moments-là Non. Non, en vrai, non. C'était aussi le premier moment que je voyais Cédric dans la vraie vie. Je l'avais jamais vu avant la veille du combat, du coup. Tu vois. Je l'avais jamais vu dans la vraie vie. Euh, J'ai senti qu'il était un petit peu plus, plus petit et plus frêle que je pensais tu vois D'accord et, euh, et aussi euh, bah, et après il n'y a pas eu de truc particulier Je ne me suis pas dit ouais euh, ça va être plus facile que prévu Ou ouais ça va être plus dur que prévu Rien de particulier c'était exactement ce à quoi je m'attendais donc, euh, donc voilà on a, on a fait le face à face et tout s'est bien passé quoi Le jour J on a vu un, un, un round assez, assez dominateur de ta part Plusieurs amenés au sol euh, Avec quand même des moments euh, Cédric qui se relevait bien un round de plus à, à sa faveur qui te touche un peu plus. Et puis ensuite, euh, la fameuse affaire de l'épine pour conclure. Beaucoup se posent la question d'où serait allé euh, le round 3. Mais on dit souvent que dans la cage, les combattants ressentent des dynamiques entre eux. C'était comment ça de ton point de vue Bien sûr, tu as totalement raison. Il y a des choses euh, que les deux combattants, il n'y a que eux deux qui ressentent. Et là, totalement, euh, je peux te dire que la dynamique, en tout cas de mon côté, et lui, forcément, il va dire ouais, mon côté aussi, machin. Mais la vraie vérité, c'est que la dynamique, c'était Baki qui gagnait, quoi. Tu peux dire tout ce que tu veux, même si on devait, on devait faire comme il a dit et, et croire que le round 2 est totalement à lui, machin. En vrai, euh, si on devrait faire comme il dit et qu'il gagne le round 2, il le gagne de quoi Il le gagne de rien. Ça veut dire qu'au final, je gagne quand même le combat parce que mon, mon round 1, il est totalement dominateur. Mais en plus, le pire, c'est que lui, il n'était même pas au courant qu'il gagnait le round 2. Parce que si tu regardes un peu, et je vais mettre bientôt, je pense, euh, <laughs> quelques vidéos et tout euh, sur les réseaux. En gros, si tu vois que le mec, il me, il me touche la joue, il met 6 points. Genre, il, comme s'il m'avait touché six fois euh, c'est comme s'il m'avait mis six coups pleine patate dans ma bouche tu vois les mecs ils, parce qu'on voyait les scorings sur, PFL, le, sur le pfL yes donc euh, déjà le, leur manière de scorer c'est je comprends pas et ensuite euh, malgré ça moi, je, pour moi je prends le round 1 et le round 2 moi j'arrive dans mon coin à la fin du round 2 les mecs de mon coin ils me disent quoi ils me disent est bah, là au troisième round euh, simple, tu l'attrapes, tu ne lâches plus, c'est réglé, le combat il est à nous, t'as déjà gagné deux rounds sur trois Ah c'est intéressant ça, parce qu'au bah, final mais... les trois juges lui le lui donnent quand même bah, bah, Ouais c'est ça qui est fou en fait, c'est ça qui est fou et moi j'étais surpris de ouf euh... C'est fou, on ressent un truc et, vraiment différent vois, moi, moi quand je regarde le combat, mmh. je vais pas te mentir, je me dis qu'il va à Cédric tu vois. Bah, Et dis-toi même ce qui est fou c'est qu'un des... Un des juges, il dit même à mon grand frère après le combat Parce que Ruslan tu vois mon grand frère, il a voulu aller voir euh, qui gagnait le combat mmh. Et il dit ouais bah, qui il a les deux rounds c'est-à-dire Après en fait il a dit ça alors qu'il a noté euh, le round à Cédric C'est pas logique tu vois Donc euh, c'est donc, euh, un peu bizarre Et euh, donc ouais Moi je retourne dans mon coin à la fin du deuxième round Je sais qu'au troisième je vais boxer un petit peu Et le coller et le terminer et le terminer en lutte tu vois enfin Maintenir la position et le combat il est à nous Parce qu'en fait il faut savoir que le dernier round C'est très souvent le lutteur qui le gagne Parce qu'en fait le lutteur quand il va attraper quelque chose Il va plus le lâcher Et le, tro le troisième round ce qui est le dernier round, le striker, s'il n'a pas réussi à trouver l'ouverture en deux rounds, c'est pas au troisième. Ouais, c'est avoir... plus difficile d'aller ouvrir au troisième. Exactement. Ouais. Parce que le striker, en fait, ce qui est, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il est surprenant. C'est-à-dire qu'au premier et au deuxième, il est dangereux. Mais au troisième, le lutteur, il commence à capter comment il frappe. Tu vois ce que je veux dire C'est très souvent le lutteur qui gagne le dernier round. Mais bon, après, l'histoire, a... on a décidé autrement. Il a marché sur une écharde et, et il, a... il... il s'est plaint à l'arbitre, quoi. Ouais, vraiment, moi, la situation était tellement confuse. Écharpe, puis après, arbitre, puis il te parle, puis tu parles, puis après il reparle, l'arbitre l'arrête. Ça devait être une... what the fuck sur le coup. Euh... Ouais, T'sais, à on, vivre. C'était un peu what the fuck. Et moi, je pensais même pas qu'il allait arrêter direct l'arbitre. En fait, Cédric me le dit à moi-même. Il me le dit à moi, parce que moi, je me suis dit, vas-y, il a un truc au pied, mais on combat quand même, tu vois. Ouais. Il me le dit, il me dit euh, avec, la... Avec, la... avec sa bouche, hein. il me dit, je peux pas combattre là. Il me dit, mec, mec j'ai un truc au pied, je peux pas me battre. Et du coup, moi, je dis à l'arbitre de regarder son pied parce qu'il peut pas se battre et tout. Et maintenant, Cédric, maintenant que tout ça s'est passé, il fait des tweets où il dit, Baki parle à l'arbitre en disant d'arrêter le combat. Mais qu'est-ce qu'il raconte Pourquoi lui, il vient me parler déjà dans le combat Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que j'avais fait un tweet il y a pas longtemps en me disant que je regrette un peu d'avoir euh, eu pitié de ce mec, tu vois. Parce que mmh. regarde comment il essaie de de me faire maintenant. Tu penses que tu aurais dû continuer à combattre normalement ouais, sans prendre ça en compte genre J'aurais dû le défoncer direct sur place, avec son pied, et son écharpe, tout, tout en vrai. <rire> <rire> oh bordel Et du coup, comment t'as vécu l'après de ce combat C'est-à-dire quelles ont été les répercussions en termes, on va dire, euh, de retour médiatique, de retour même personnel de tes proches, en conséquence carrière quoi Bah. Alors euh, déjà mes proches ils étaient forcément ils étaient contents, euh, ma mère elle était contente, parce que ma mère elle était inquiète, mmh. euh, mon père elle était content, tout le monde était content, je suis rentré à Strasbourg, euh, voilà, tout heureux quoi, tout simplement. C'était tout... enfant du peuple à Strasbourg. Euh, exactement, sauf qu'il y en a beaucoup ils y croyaient pas, même des gens de Strasbourg n'y croyaient pas, même des gens d'aguenot n'y croyaient pas. Tu vois mmh. Donc on rentre, aussi au niveau des, des gens qui me reconnaissent dans la rue, avant ils me reconnaissaient, jamais personne n'a été méchant avec moi, tu vois, jamais personne n'a été méchant avec moi dans la vraie vie, Bien sûr. mais là les gens euh, ils sont vraiment contents de me voir, tu vois. Et euh, forcément moi je suis quelqu'un qui, euh, qui aime faire plaisir et tout. Et euh, du coup euh, voilà, ça a un peu changé les gens ont un peu retourné leur veste et, et voilà quoi. Mais je m'attends pas non plus, en fait je prends pas les gens pour acquis, mmh. parce que je sais que si un jour euh, moi il doit m'arriver une dinguerie, ils vont aussi encore retourner leur veste. Ouais, ça ça, ça, ça se voit que c'est un truc. Genre, pour avoir écouté plusieurs choses de, de toi, c'est un truc que tu, dont tu parles souvent. Cette capacité de l'opinion publique à aller vite d'un côté comme de l'autre selon le niveau, les résultats, euh, des machins, électriques. trucs. Et j'ai l'impression que du coup, en fait, quand tu parles. Même si tu sais que beaucoup de gens vont pas être d'accord, tu t'en fous. Ouais. Genre typiquement par exemple ce que tu viens de dire euh, sur euh, le combat, notamment le round 2, ça a beaucoup fait réagir dans le chat, tu mmh. vois, tu te doutes bien, il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord du tout mmh. et il y a des gens ils disent Ouais, non, il est délu et tout machin." J'ai l'impression que tu t'en fous. Non mais moi je m'en fous totalement. Comme euh, comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, euh, le seul avis qui compte, c'est l'avis des personnes qui t'importent. Moi euh, ce qui ce, ce qui compte pour moi, c'est ma famille, mes proches. C'est pas euh... <laughs> Je désolé les gars, mais c'est pas mon public en vrai, tu vois. Aujourd'hui, c'est mon public. Bien sûr, il y a des gens qui sont fidèles et je les remercie. Ça me fait plaisir de, de faire des combats, de les, de les rendre fiers et, et, et savoir qu'ils font partie de l'aventure. Mais en réalité, moi, j'ai fait ça depuis le début que pour ma famille. Ok. Tu vois. Donc, bon. euh, forcément, je m'en fous de l'opinion publique. Franchement. C'est une take vraiment intéressante, c'est pas un discours qu'on entend souvent en ouais. fait tu vois Et je te le dis parce que j'ai eu beaucoup la chance d'avoir des gens euh, différents sur ce plateau C'est si pas en... un truc que j'ai souvent entendu En vrai si je m'en foutais pas de l'opinion publique, comment tu penses j'aurais pu gagner C'est vrai que si tu t'en étais fier au début c'est vrai que concrètement étais si pas... Étais, si je devais écouter l'opinion publique tout le temps, bah je devais prendre un KO en, en 5-10 secondes tu vois C'est parce que je l'écoute pas que, que j'ai gagné et donc du coup, à partir de là, c'est quoi la suite là concrètement Il y a eu le Ramadan, ça fait euh, maintenant à peu près deux mois, à peu près que le combat est passé à quelques jours près. Mm. Euh, T'es dans quelle phase T'es au Japon Bon, c'est petit coup de plaisir et tout. Ouais. C'est bah, quoi la suite On pour a toi, eu le Ramadan. Euh, on a eu le Ramadan un ou deux jours après le combat. Donc euh, directement dans la foulée, euh, j'ai continué de m'entraîner euh, tous les jours pendant pendant le Ramadan, euh, toujours garder la forme, tu vois. Ça c'est vraiment un truc euh, que je me suis je me suis euh fixé, genre il euh, n'y a pas de moment où j'ai plus la, la forme. Yes. Donc euh, c'est vraiment un truc que toute ma vie je veux être prêt à me battre. Okay. Donc euh, ça c'est un truc que je me suis fixé. Genre coup de fil possible ou quoi, il n'y a pas de ouais là je suis en coup vacances. C'est possible dos, et, euh... et même, même sans parler de sport, j'aime pas l'idée de savoir que j'ai besoin, besoin d'une période pour être prêt à me battre. Okay. à la base si j'ai commencé aussi les sports de combat et la raison pour laquelle j'aime me battre, c'est la capacité à être fort. Tu vois, l'humain il est tout le temps en train de changer le temps il y a des, des mécanismes qu'on n'a même pas confiance de conscience qui se passe dans notre corps si tu attends toujours le moment parfait pour te battre en, en vrai tu te bats jamais donc moi j'aime ai, bien l'idée de savoir que je peux me battre tout le temps ok donc euh, ça c'est important pour moi et donc c'est pour ça que je me maintiens en forme tout le temps et maintenant est-ce qu'il y a un combat de prévu alors dans dans, dans l'immédiat il n'y a pas de combat de prévu ouais mais j'aimerais beaucoup euh, faire partie de la carte euh, UFC Paris en, en septembre. Ah, ce serait magnifique ça. ça. serait magnifique. Et d'ailleurs, on est en train de parler avec eux euh, pour s'arranger euh, pour faire ça. Euh, si c'est pas sur cette carte-là, forcément ce serait sur une autre. Mais en tout cas, nous, on, on vise l'UFC de, depuis toujours. Hein. Ok. Toi, toi, il n'y a pas forcément les, les débats qu'on peut entendre, d'ailleurs sans leur tirer dessus, hein, mais chez d'autres en mode euh, argent ou alors euh, fame, combat, machin. Toi, c'est les meilleurs. J'ai n'ai pas commencé le combat pour l'argent. Si je voulais de l'argent, il y avait 10 000 manières de, de faire de l'argent. Il y a des, tu peux devenir businessman, faire dix mille trucs. Mmh. Si j'ai commencé le, le combat, c'est pas pour l'argent. D'accord. C'est un bonus l'argent, tu vois. Et pourtant, du coup, tu demandes quand même une grosse somme pour la revanche. Oui, mais en fait, c'est parce que là, c'est un détour. Ok. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire là, il me demande une revanche. Mais c'est quoi l'intérêt euh, sportivement pour moi il Donc, est Peut-être de réaffirmer la victoire, de, de, de lever le doute dessus. Les gens, à part dire, ouais, bravo, il a gagné sans échard cette fois, ils vont dire quoi Ils vont rien dire, tu vois. Donc ça va m'apporter littéralement rien. Donc si déjà j'ai fait un détour pour, pour, pour faire taire des bouches, pour prendre un, un bon chèque, etc., s'ils veulent que je refasse encore un détour, parce qu'en fait, quand tu fais un détour même sur la route, c'est qu'il y a une raison de la faire. Si je fais un détour encore une fois, c'est qu'il y a une raison. Okay. Donc là, tout ce qui était médiatique, qui m'apporte plus rien actuellement, je le mets du, du côté argent. D'accord, s'ils veulent, ils le font. Euh, s'ils veulent pas, tant pis pour eux. D'ailleurs, ils ne m'ont rien proposé encore. Euh... Même pour des prix en dessous, ils m'ont rien proposé. Donc, euh, donc pour pas... l'instant, c'est genre au point mort. Quoi. Donc euh, le, les gens qui disent, euh, bah qui accepte le combat Il n'y a rien à accepter parce que j'ai rien reçu. Tu vois oh. ce que je veux dire bon. tout simplement. Comme ça, le, le, le sujet a été abordé en long, en large, en Exactement. travers. Et donc du coup, euh, au niveau de l'UFC, à l'heure actuelle, ce euh, serait justement pour euh, la même catégorie, ce serait moins 77. Oui, toujours euh, Walter White. Ouais, 77, ouais. Et du coup, ce serait pour commencer gentiment... Par, par exemple, tu nous disais un peu plus tôt, ce serait pour prendre un peu plus de risques maintenant euh, en commençant là-bas. C'est ça. Là ça. Peut-être peut-être pas direct au début, début, mais en tout cas, il y a un moment forcément où vous allez plus reconnaître Baki. et un moment où, où, où je vais vraiment montrer beaucoup de trucs que je n'ai pas encore montré dans la cage. J'ai un, un style de combat que je n'ai pas encore montré. Que je travaille depuis un petit moment maintenant. J'essaie vraiment de le parfaire un maximum. Et pour le parfaire, j'ai besoin d'un peu de période où il y a peu de combats, tu vois. Donc là, en ce moment, je suis en, je suis en train d'en profiter et je vais continuer de, dès que je rentre au, du Japon. Ok. Mais c'est un petit style que, très offensif que je prépare et, et qui va vraiment choquer, je pense. Et imaginons un scénario... Alors là, c'est fictif, d'accord Mais imaginons euh, l'UFC, pour x ou y raison, ça ne peut pas se faire et il n'y a pas de revanche. Qu'est-ce qui se passe Tu retournes à l'Arrest, tu comptes une autre Ligue européenne... Il n'y a pas... Je pense pas que l'UFC, euh, l'UFC c'est pas oui ou non, okay. l'UFC c'est plutôt quand, tu vois ce que je veux dire D'accord C'est plus sur cette question là qu'on est basé, la question de oui ou non moi je peux te répondre tout de suite oui okay. L'UFC euh, ils sont intéressés par Baki, Baki est intéressé par l'UFC, euh, toutes les raisons sont bonnes pour y aller D'accord Maintenant la question ce serait plutôt quand, moi dans l'idéal comme je t'ai dit ce serait UFC Paris et euh, au plus tard euh, ce serait fin d'année Mais l'UFC Paris ce qui est bien c'est que c'est à Paris justement tu vois ce que je veux dire Ah pour l'avoir vécu, c'était phénoménal. Ah hein. tu y étais du coup Ouais Ah incroyable J'avais vu les débuts de Morgan à ah, l'UFC ouais, euh, contre, euh, contre l'italien, désolé je me rappelle plus du nom. Ouais, ouais. Euh, bah forcément le combat de BSD, Cyril ah, contre bah, Spivak et tout, c'était... Ah bah, exceptionnel. J'imagine que c'était exceptionnel. T'y étais toi aussi ou pas Non, j'y étais pas. J'étais à Dubaï à ce moment. Ok. Bah franchement, <laughs> je te le dis, c'était vraiment incroyable. Bah j'imagine. Et, Et j'aimerais trop en faire partie, tu vois. Compréhensible. Ouais. Compréhensible, Et FC Paris, c'est vrai que c'était la deuxième année. C'était une belle réussite. En tout cas, moi, j'ai pas fait le premier. Vous me dites dans le chat peut-être certains. Ont fait le les premier deux. aussi, c'était quelque chose, à ce que j'ai entendu. Mais ouais, moi, le, pre... le deuxième, en tout cas, c'était le seul que j'ai fait. Euh... C'était. Euh... Le, la qualité, je peux comprendre pourquoi. En parlant de ça, euh, justement, euh, est-ce que tu as un avis en, en parlant un peu euh, du, du public Le MMA, ça s'est vraiment genre euh, démocratisé, ça a explosé ces deux dernières années. Je t'avais demandé un petit peu plus tôt, euh, selon toi, pourquoi entre guillemets mm -hmm. Maintenant, il y a des discours qu'on peut entendre vis-à-vis -vis, euh, justement des fans, du public, en mode euh, certains peuvent regretter l'époque où c'était plus discret, d'autres peuvent dire bah, oui, mais maintenant il y a une trop grosse hype des MMX ou alors ouais le public par exemple du PFL ou ta compatrice c'était pas ouf et trucs comme ça. Est-ce que tu penses que c'est les défauts qui viennent avec le fait de s'être popularisé Est-ce que c'était nécessaire Ou, euh... ou est-ce que tu penses que le bienfait que ça apporte ça compense ces quelques points négatifs Bah ça c'est pas un truc qui est typiquement au MMA mais ça c'est un truc qui, est... qui arrive très souvent d'ailleurs quand un truc est peu connu et devient mmh. très connu. Les gens qui étaient là déjà avant ils ont un peu le seum parce que du coup des gens qui connaissent pas trop ils viennent trop ouvrir leur bouche, trop donner leur avis sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas donc euh, forcément parfois ça fout un peu les nerfs tu vois ouais. quand quand tu vois des fameux MMX qui viennent donner leur avis en disant n'importe quoi mais je pense que d'un point de vue global c'est quelque chose de bien ok c'est quelque chose de bien parce que au final même si s'il y a beaucoup de conneries qui sont racontées les gens qui viennent dire des vraies choses et qui font vraiment des stats heureusement ce sont des gens qui, qui s'y connaissent tu vois les médias la sueur etc euh, donc au final je pense globalement on est assez il n'y a pas trop de conneries qui sont dites et euh, donc, euh, tout va bien en vrai, de vrai. Très bien. Pour terminer, j'avais une petite question comme ça, un peu plus généraliste. Euh, notamment parce qu'on avait parlé du UFC. Ça peut être UFC ou pas, ça peut être actif ou non. Si tu devais donner euh, deux, trois combattants que toi, tu as toujours trouvé peut-être forts, impressionnants, euh, de ta catégorie ou non d'ailleurs, actifs ou non, comme je t'ai dit. Donc à l'UFC, pas des Français forcément Ce que tu, ce que tu veux, quelle que soit okay. même l'organisation. Alors moi, tout d'abord, j'aime bien Kamaru Usman. D'accord Alors Kamaru Usman, bon là, je pense qu'il est plus à son prime. Mais c'est un combattant que je, je kiffe. Parce que j'aime bien comment il est complet, en fait. Et à la base, c'était un lutteur. Avec une boxe un petit peu dégueulasse, tu vois. Et par, petit à petit, on voit une boxe qui s'améliore, qui s'améliore. Euh, un, une base très solide, tu vois. Ça veut dire que le mec, il fait pas des trucs euh, bizarres. Il est sur des... il est, très, il est très robotique. Et j'aime bien comment, comment il a dominé dans sa catégorie pendant, pendant longtemps. Et euh, aussi le fait que ce soit une bête physique, on a pas mal de similitudes euh, sur le fait d'être complet, ouais. sur le fait d'avoir une bonne boxe, ouais. sur le fait d'avoir une bonne lutte et d'être des, des forces euh, en termes de, de physique tu vois Donc euh, j'aime bien ce qu'on m'attend, j'aime beaucoup Hamzat, Hamzat forcément logique euh, un assassin, quoi. le mec il a une confiance, une manière de rentrer dans ses adversaires, une lutte qui est phénoménale euh, c'est un combattant d'élite et je pense vraiment que c'est le, le, le mec qui va, qui va vraiment euh, être unanime à l'UFC. D'accord. Je pense vraiment il peut marquer l'histoire de l'UFC et il va le faire, je pense. Ok. John Jones aussi. Classique. John Jones, classique. Comment il est vicieux dans la cage, comment il, comment il arrive à s'adapter dans le combat, comment il arrive à être intelligent sur le coup. Parce que parfois, tu sais, parfois tu as un plan et s'il si foire, tu dis tellement Putain, j'ai que ce plan et c'est foutu. Que. Tu vois, c'est un petit peu cette sensation de t'as le plan et ça se passe pas comme prévu, donc vas-y, c'est foutu, t'as perdu. John Jones, même quand ça foire, il se dit, ok, je suis intelligent, je peux m'adapter tout de suite maintenant. là Et ce truc-là, chez lui, je le trouve incroyable. Tu vois. Okay. Donc ça, John Jones, euh, incroyable. Pereira aussi, dinguerie. Le mec, il est arrivé du glory, il est devenu champion à l'UFC aussi, et en plus dans deux catégories différentes. Euh, et Pereira, il est aussi bien parti pour, pour marquer, pour marquer l'histoire de l'UFC. là Le fameux. Avec en plus le titre, on veut choper très 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 vite. Wow, L'histoire avec Adesanya et tout. Incroyable. Vite, ouais. de ouf. Écoute, avec tout ça, forcément, euh, vient la dernière question. C'est quoi euh, la suite de ton programme au Japon là Alors là, la suite de mon programme au Japon, bah... déjà, tout à l'heure, on a fait un truc de samouraï. Je te mens pas, ça m'a hypé. Peut-être je vais le refaire encore une fois. C'était cool hein, <laughs> le truc de euh, samouraï. Hein. J'aimerais bien redécouper des trucs, c'était vraiment stylé. Euh, après j'aimerais bien m'entraîner aussi, ouais un peu voir euh, les clubs ici. Ah ouais, t'as une petite salle là. Euh, est... J'ai eu des petits des petits contacts là. Ok. Euh, normalement il y a le ref Clément Marcou qui, qui arrive aussi. Grave cool. ça <laughs> d ouf, de ouf. Il m'a quand je suis arrivé à Dubaï il est arrivé quelques jours après et quand j'arrive à Tokyo il arrive <laughs> quelques jours après donc euh, incroyable. Donc euh, ouais. Petit entraînement avec Clément, Mar Clément Marcou. J'ai des amis aussi qui m'écrivent sur Instagram, qui me disent qu'ils ont des salles au Japon. Okay. Je vais y faire un petit tour. Très Donc cool. Euh, magnifique, petit programme. Eh ben écoute, profite bien de la suite de ton séjour au, euh, au Japon. Merci Et je beaucoup. te remercie, Maki. Merci beaucoup, Zach. Ça fait super plaisir, franchement. C'est un plaisir pour moi, franchement, j'ai kiffé. Euh, on a fait une quasi deux heures. Voilà. c'est passé trop vite. Je j'ai l'impression qu'on qu y... qu qu Qu'est-ce qu'on s'était dit place, encore une vraiment, fois Deux vraiment. heures passées en 20 minutes C'est une folie. hein. Ça Content d'avoir oui. pu parler avec toi. Franchement, c'est cool. T'as la tête sur les épaules, t'as plein d'avis. Et puis, même si t as, t as, on peut être des fois d'accord, pas d'accord ou autre, euh, t'as un parcours qui est archi respectable. Et franchement, je te souhaite euh, vraiment je le meilleur pour la suite. Je t'en souhaite euh, tout autant, Zach. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié, les amis, dans le chat. Alors, à minima, j'ai vu que vous avez apprécié, mais aussi que ça vous a beaucoup fait réagir. Donc, c'était très intéressant. Euh, vous inquiétez pas, après, en off, euh, on... Yass et Baki ont des choses à se dire, donc on essaiera de mettre ça en place. Dans le vlog de ce soir, vous allez voir d'ailleurs, il s'est passé pas mal de choses, ça régale. Et puis, au global, j'espère que vous avez passé une bonne émission. Si vous êtes arrivé à la fin, comme d'habitude, ce sera sur YouTube dès demain. Mais si vous avez faim de Zakorou Libre, parce qu'il y en a, vous avez faim de Zakorou Libre, dans quelques minutes sort la rediff dans 5 minutes de l'émission d'hier avec Buffetimbi Gomis. C'était un très gros banger, vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui dès demain, le vlog dès ce soir et merci pour tout le soutien sur l'arc Japon, j'espère que ça vous fait kiffer merci encore une fois aux, aux amis de Ici Japon et à Tev qui nous prêtent les locaux gratuitement pour faire les émissions c'est des rois, voilà, c'est très cool de pouvoir avoir justement des personnes qui permettent ça, merci également à ceux qui m'aident à l'organisation de tout ça, Hugo, Alex, Daf et toutes les personnes de mon équipe qui m'aident à, 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 à ça, merci à vous pour la fidélité, vous étiez extrêmement nombreux, Dans ça régale, merci une fois à Baki et à tous ses proches, Zacharolibs terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le 8 mai, donc sera pour le dernier accord au libre euh, de l'arc Japon quand on sera de retour à Tokyo avec Andy Ella, créatrice de contenu, plein de choses à dire également. Donc euh, je compterai sur, enfin euh, je compte sur vous pour être là à ce moment-là, mais les annonces seront faites en temps et en heure. Passer une bonne fin de journée en France. Nous ce sera la soirée et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao ciao.